Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il fait très chaud, je suis en pyjama, je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Ah là là, je suis naze, naze, naze. Hier j'ai dormi très tard parce que depuis qu'on est rentré de vacances, ça n'arrête pas. Ça court pour les cours, ça court pour les trucs scolaires, ça court pour les vêtements, ça court pour tout, ça court pour des achats par-ci par-là, ça court pour le nettoyage de la maison, les rangements, etc. Moi j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, oh là là, tout ce que j'ai à faire, je vous dis même pas. Je dois faire toute ma chambre au niveau rangement parce que j'ai du make-up à ranger, etc., etc. J'ai organisé mon dressing. J'ai fait tout le tri des vêtements que je ne voulais plus. Il y a certaines choses que j'ai mis sur Vinted, d'autres choses que je donne. Après, du moins que j'ai donné déjà, et j'ai encore un sac que j'ai mis à donner. Ensuite, salle de bain, pareil. Voir ce que je vais me servir, ce que je vais pas me servir, etc. Ah oui? Et j'ai oublié de vous dire aussi le plus important, j'ai envie de dire, changer mes draps. Parce que regardez l'oreiller là qu'il y a derrière moi, le Vermont, ce n'est pas le mien celui-ci. C'est celui de Princesse Anya. Et en gros, oui, je vais mettre enfin mes draps que je vous ai montrés la dernière fois, les noirs. Hop, là je bois mon café, regardez. En fait, c'est cappuccino. Caramel. Après, j'ai aussi un tri à faire, vous savez lequel? Allez, on devine, on essaye. Non, vous devinerez pas, à mon avis. Les médicaments. Coucou, les amis. Donc là, on se retrouve. J'ai très, très, très chaud. Il est 20h, il me semble, n'est-ce pas, Alina? Ouais. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai rangé ma... Alors non, j'ai pas rangé ma chambre, je suis mytho. J'ai fait mon lit, je suis sortie dehors pour aller à la poste. À la poste. Ça commence bien. À la poste pour poster un colis. Pas dans cette dégaine-là, parce que là, je vous explique, je suis en dégaine. La dégaine de la combattante, c'est-à-dire la dégaine du ménage. Donc là, j'ai fait mon lit. Tout à l'heure, je suis allée justement, comme je disais, à la poste. Et ce qui s'est passé, c'est que la poste était fermée parce que je devais envoyer un colis à une copine. Et là, vraiment, tout de suite, je vais m'occuper de là. Donc, ma salle de bain, c'est-à-dire la suite parentale. Parce que je pense qu'il y a des choses que je vais retirer. Donc, ça, je vais le retirer. Vous savez, les brosses comme ça, Pour la nettoyantes. Sauf que j'ai acheté dans un vlog, je vous l'ai montré. Les faux Réo. Exact. Donc du coup, celle-ci, je vais pas en avoir besoin. Ça, c'est un rasoir comme ça. Je vais voir aussi ce que je vais en faire. Next. Donc tout ça, je vais le retirer. Ça, c'était un truc... C'est du marbre comme ça, rituel. Vous avez mis les bougies, etc. Mais la bougie n'existe plus. Donc c'est parti. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me mettre par terre. Je vais tout trier. Ce qui me plaît, je le garde. Ce qui me plaît pas, je le dégage. On y va, c'est parti. Oh, ici, la bagarre. Ça se voit que mes enfants sont passés par là. Donc regardez, il y a des fils. Moi, les fils, j'en ai ras-le-bol. Donc déjà, ces fils-là, je vais les retirer parce que sans rapport. Normalement, les fils, je les mets dans un... Bac. J'aurais dit, ouais. Exactement, sauf qu'il s'est cassé. Il a fallu que je rachète un action un tout petit, mais bref, j'ai pas été. Donc voilà. De toute façon, là, je peux les retirer parce que je vais plus m'en servir. Ça va avec ce que je vous ai montré, les brosses et la compagnie. Ensuite, dedans, il y a quoi? Je l'ai pas utilisé. Ça, c'est quoi? Les bombes de bain. J'ai chaud, les amis. Je vous jure, j'ai chaud. Il y a un rempli, j'ai chaud. Ça sent bon. Regardez-moi ça. Ça sent trop bon. Ça, je vais les garder, mais je pense qu'il faut que j'aille à Action. Je vais peut-être mettre dans les petits bocaux comme ça, comme si c'était des confiseries. Ah oui, là, c'est plutôt chocolat. Je les ai pas utilisés. Je sais même pas s'il y a une date de péremption ou pas. Regardez. Et c'est vegan. Hein. Ah bah tiens, comme si deux, ça suffisait pas. Il y en a encore un autre. Fraises, etc. Regardez comment c'est joli. Elles sont belles, hein, celles-là. Body shop. Et là, pareil, effervescente. C'est des bombes, ouais. Bah alors ouais, c'est ça, mais je sais plus comment c'est à l'intérieur. Exact, comme ça. Bon, faut juste que j'achète quelque chose, les boîtes de rangement Action. Voilà. Il y en a deux. Je vais peut-être en mettre une sur Vinted. Celui-ci, je sais pas si je le garde ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il est marrant. Il est marrant celui-ci, on va le garder alors. C'est... Bah celui-là, on va le garder, c'est... Friends. Exactement. Je vous jure, je vais tellement tout déglinguer que je sais même pas à quelle heure je vais finir. Hier, j'ai fini à 5h du matin. Je crois qu'on est parti dormir. Il était quelle heure? 4h et quelques. On a fait du rangement dans la maison, etc. etc. C'était un truc de fou. Je vous jure, 4h et quelques du matin, je suis parti dormir. Alors, déodorant crème, je sais pas si je vais le garder. C'est vegan, hein?
sans parfum, peau sensible. C'est bon, c'est rangé déjà. Allez, on passe à celui-là. Ça pique, parce que mes enfants, des fois, viennent me chercher des produits. Alors ça, je le garde, c'est un démêlant soin. Je vais le garder, je le mets ici. Ça, c'est le Boost Curl gelé capillaire. Franchement, je me tâte. Alors, comme je me tâte, je vais te mettre en haut. Celui-ci, c'est le shampoing. J'ai pas été fan. L'après-shampoing, donné par contre. Allez hop, donné, c'est là-bas. Ça, c'est la glycérine. Ça, je vais le mettre dans les médicaments. Je vais... Ça, j'en mets jamais. Je l'ai acheté. Donc, c'est des boucles comme ça. Et là, c'est volume. Sauf que je ne le mets pas. Et quoi encore pour les cheveux? J'ai ça, brillantine nourrissante. Quand ça colle, c'est pas mon délire. Pourtant, ça sent magnifiquement bon. Il y a marqué Active Long, cheveux ternes ou cassants. Je vais les retirer, je les garde pas. Donc, je mets tout ça là-bas. Tout ce que je garde pas, je les vire là-bas. Et un gel douche comme ça, je le garde. Tout ça, je vais les retirer. Là, c'est des teintures chocolat givré. J'en ai deux. Donc, je pense pas que je vais les garder. Je vais peut-être aussi les mettre sur Vinted si c'est autorisé. Parce que ça, je ne le sais pas du tout. Ensuite, j'ai un Rituals comme ça. Vous savez, les pubs sheets là. Non, bien sûr que ça, je le garde. Ça, Ultra Doux Garnier, je kiffe de dingue ces soins-là. Donc, je le garde. Alors, ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je devais le tester, etc. Je ne l'ai pas fait, mais je le garde. Faut peut-être pas exagérer. Je sais quand même garder des choses. On enlève ce qui ne sert strictement à rien, on va dire. Ou alors ce qu'on n'a pas aimé. Attention, hein, qu'on ne confonde pas la chose. Ici, c'est de l'huile coconut comme ça. Je garde. C'est très, très bien pour les cheveux. Ça, c'est du solution hydroalcoolique. Je vais donner. Ça, c'est du marron mocha. Et comme moi, je fais mes teintures, vous savez, la teinture que j'ai là, je la fais chez le coiffeur et je m'entends très, très bien. Ils me connaissent depuis bien plus de 20 ans. J'avais 18 ans à l'époque, donc bien plus de 20 ans. Et encore, même avant 18 ans, j'y allais, donc c'est pour vous dire. Donc, je fais mes coiffures, quoi, tout ce que je veux là-bas, en termes généraux, sauf de temps en temps. Bien sûr, j'utilise ça, mais là, à mon avis, c'est pas d'ici demain que je l'utilise. Donc, ça va partir aussi sur Vinted ou alors un don si Vinted ne les prend pas. Et là, j'en ai une comme ça, parce qu'Ina, elle est toute seule. Chocolat de chez Casting Crème Gloss. Sans ammoniac. En général, moi j'aime bien prendre sans ammoniac. Pareil, vous avez saisi, je ne garde pas non plus. Ah bah ça en fait du tri. Alors là, je n'ai carrément pas utilisé celui-ci. Je vais le mettre sur Vinted ultraviolet pour blonde. Parce que j'ai changé ma couleur, hein, vous avez constaté. Ensuite, ça c'est une crème que je vais donner pour les mains de chez Rituals. Pff, franchement, je m'en fiche. Ça va aller dans les diaceptiles, hein, vous savez, c'est pour désinfecter. Donc ça va partir dans les médocs. On en est où? Là, non, je n'ai pas du tout aimé. Parce qu'en même temps, là, je vous montre le rangement et en même temps, je vous dis ce que j'aime et que j'aime pas. Là, je viens de réagir, ça fait un peu des deux. Et vous savez, les crèmes de d'épilateur sous la douche. Oh mon Dieu, que j'ai détesté, mais à donner. Ça, de l'arnica, l'huile de massage, c'est grave bien. Donc ça, par contre, je vais le garder. Quand... Une brosse que je kiffe tant, d'ailleurs, mes enfants la prennent, l'utilisent. Et il y a des cheveux, je sens que je vais m'énerver. Si vous aussi, vos gosses font ça, dites-le moi. Mais moi, j'aime bien me piquer mes affaires. Et Kika va s'énerver. Non, mais sérieux, quoi. Ensuite, ça, bah, c'est des... On s'en fout, un dentifrice, ça, je garde, bien évidemment. Ça, mon Dieu. Fraîcheur et hydratation, soin lavant intime. Ouais, mais ouais, pour être fraîche, vous êtes fraîche. Ça pique. Pas ça pique en pleurer. Mais on sent que ça rafraîchit tel un glaçon, quoi. Je sais même pas comment vous expliquer ça, tel de la menthe, tel... Je garde. Non, franchement, il est très bien, j'aime bien. Non, j'aime bien. C'est des lingettes nettoyantes à base d'extrait naturel de sauge. C'est des lingettes, en fait, intimes. Tout simplement. Et ça, on garde. Là, une brosse à dents, parce que là-haut, il n'y en avait pas. Je viens de la retirer avant de prendre la caméra. Donc, du coup, elle va passer là-haut. Hein, ça va être donné, hein, je pense. Je l'ai utilisé, je crois, une seule fois, mais j'ai pas kiffé. C'est de la marque Ole Henriksen. C'est un nettoyant, tout simplement, pour le visage. Eau de fruits d'orange. Je vais le donner. Ça, je le garde. C'est une crème fouettée pour les cheveux. Donc, hydrate, définit les boucles, contrôle les frisottis. Au top. Et là, je vais la mettre avec les autres boîtes à médicaments. Parce que c'est une boîte
un médicament. Au final, ça, je le garde pas. En fait, il me fait ni chaud ni froid. J'ai gardé que ça dans ma salle de bain. Après, il y a celle de mes enfants, il y a celle du bas. Moi, dans ma salle de bain, pour l'instant, j'ai gardé que ça. Alors là, on a mis ça comme ça. Mais il va falloir que j'achète des boîtes à action. Ou alors, je sais pas moi, c'est quoi le bruit? Mais la moto, c'est un truc de ouf là. Soit action, soit, parce que j'ai quelque chose d'assez mignon, soit action, soit je vais voir Ikea. Allez, next pour ici. Comment dire là, j'ai un souci. Bon, là, c'est les oméprazoles, vous savez, vous connaissez l'estomac et compagnie. Bref, des trucs banals, médicaments. Sauf que le truc, c'est que je vais tout retirer. Là, ce qu'il y a à l'intérieur, je vais aller les mettre dans les boîtes spéciales pharmacie. Mais je suis en train de me dire, donnez-moi une idée, vous, qu'est-ce que vous auriez mis ici dans une petite... dans un petit... Comment on dit ça? Dans une petite armoire, placard, ou ce que vous voulez, hein, commode. On s'en fout du nom, sérieusement. Et là, ici, vous voyez, j'en ai une autre. Dedans, c'est que des parfums, bah, en fait, Disney, etc. Donc là, pour l'instant, ça va rester là. Et j'ai quelque chose à vous montrer. C'est ça. N'achetez jamais ça. Au début, je l'ai kiffé. C'est cette baignoire-ci que je vais, qu'il va falloir, Inch'Allah, changer. Et vous voyez le petit truc là, comme ça, là. Et ben ça, hein, y a une fuite. Kika ne peut pas faire de bain. Donc Kika va dans les autres salles de bain ou alors je fais une douche. Mais moi, je suis une fanat de bain. Donc, il y a un problème. Donc, on va changer, on va prendre une rectangle. N'achetez pas ça, les amis. Moi, je vous explique. Au début, je kiffais. Aujourd'hui, je dis, je ne referai plus l'erreur. Alors, regardez-moi ça. Je l'ai payé au moins 50 balles ou 54 ou bref. Regardez ce que ça a fait. Ça mouille. Ah ouais, c'est dégueulasse. Moi, je déteste ça. Donc, lui, je vous déconseille. Je l'avais acheté sur Amazon. Peu importe, moi perso, ça soit sur Amazon, chez n'importe quelle marque du monde, chez n'importe qui, je ne pense plus racheter ça de ma vie. Parce que si c'est pour avoir ça avec une goutte d'humidité, mais c'est n'importe quoi. Et quand je dis une goutte d'humidité, c'est pas l'humidité de l'humidité. Chez moi, il n'y a pas d'humidité. Hein. Non, non, pas du tout. C'est quand on fait la douche, il y a de l'eau qui monte ici. Vous savez, là, pour les nanas. Hein. Non, mais sérieusement. Et ça dégage malement à la poubelle. Oui, bon débarras. Voilà, je me suis dit que ça allait partir. Je l'ai gardé un peu parce que là, ça a commencé comme ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais non, peut-être ça va partir en le nettoyant. C'est ça, ouais. J'ai nettoyé, c'est pas parti. Poubelle, les amis. Hop, next. Et maintenant, regardez-moi ça. Tout ça, c'est à dégager. Bravo, Kika, tu t'es débarrassé de plein de trucs. Maintenant qu'on a fini, je suis morte de rire. Maintenant qu'on a fini avec la douche, on a laissé les choses par terre. On va tout vider après. Tout va être nickel. Ah, je vais bien respirer après, je vous le dis. Bref, arrêtons de déconner. Qu'est-ce qu'il me reste à faire et pourquoi je rigole? Regardez ce que j'ai derrière moi. Les médocs. On est rentré de vacances, il a fallu prendre plein de médocs avec nous. Ouais, je sais, c'est n'importe nawak. N'importe nawak. Entre les allergies, les bobos de tous les jours, entre des petits traitements, par exemple, moi, l'estomac, etc. Voilà, donc je dois ranger le halak que j'ai mis ici. Et moi, ça, je peux vous assurer que je suis née d'une mère maniaque. Maman, merci. Je déteste, moi, le bordel. Là, 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 Kika, là, du rangement, du nettoyage, c'est l'éclat. Je ne vais pas finir maintenant. Je sens que je ne vais pas finir maintenant. Et encore, je vais vous faire des coupures. Vous n'allez pas tout voir, vous. Hein. Moi, je vais vous monter grosso modo. Parce que moi, après, j'ai tout mon dressing à faire. C'est un autre délire. Là, je suis dans le coin carré de mon mari. Ce côté-là, c'est mon mari. De l'autre côté, c'est moi. Mais moi, comment dire, j'ai géré tout. J'ai tout enlevé. J'ai mis plein de choses sur Vinted. Tout ce que je voulais plus, qui m'allait plus parce que j'ai perdu du poids. Soit qui m'intéressait plus. Hop là, j'ai tout déglingué. Et franchement, ça fait énormément de bien de fou. Ah, j'ai la salle d'en bas aussi qui a été faite. Mon espèce de salle à moi. Il manque juste à m'acheter un petit fauteuil. Je fais des conneries à l'intérieur. Ça pour les yeux, des doliprane. Bref, je range ça et on se retrouve après. Je suis KO, j'ai fini. Enfin, j'ai pas mis longtemps. Ça y est, on a vidé le tiroir que je vous avais montré tout à l'heure où il y avait les médocs. Voilà ce qu'il y a à jeter ou donner. Alors quand je dis jeter, c'est-à-dire des choses qui vont retourner en pharmacie, parce que moi je redonne en pharmacie, ou alors comme ça des compresses stériles, etc. Dont celui-là aussi. Que je vais donner. Je vous montre. Donc, il y en a une spéciale pour... comme ça.
spécial mon mari et moi. Donc quand je dis mon mari et moi, c'est Doliprane, mon mari et ça, parce que des fois il a mal à l'estomac. Mais le reste, c'est plus maman, c'est-à-dire moi. Oui, la chouma, la chouma. J'avais pris ça parce que moi, des fois, j'ai des problèmes respiratoires, donc il faut que je mesure mon taux d'oxygène, la saturation du sang. J'ai ça, c'est du charbon végétal, digestion. C'est-à-dire que le charbon, ça absorbe tous les gaz, etc., etc. Si vraiment, à un moment donné, je vois que j'évacue pas ou nanana, ça aide, mais je le prends pas en tout cas. Mais je le garde quand même. Puis là, c'est des petites bêtises comme ça. Là, par exemple, c'est du médicament, vous savez, pour mes allergies. Les allergies, des doliprane, du spasfon, que des bêtises comme ça. Ça, c'est pour mon nez allergie. Ça, c'est pour mes yeux comme ça. Là, pareil, l'allergie, parce qu'en plus, je manque d'eau et ça me gratte. Ça, c'est pour mon nez, les gouttes du nez. C'est vitamine, mais d'ailleurs, celui-là, il n'est même pas ouvert. Regardez, il est tout neuf. Ouais, exactement. Donc, voilà. Et ici, c'est tout ce qui est les médicaments, vous savez, pour l'estomac, des choses comme ça, pour l'asthme. Voilà, de l'augmentin comme ça au cas où, parce qu'une fois j'ai appelé un médecin, il m'a demandé si j'avais pas, quand je lui avais dit ce que j'avais, etc., il m'a dit oui, comme il y a trop de surcharge et tout, le médecin pourra pas déplacer, parce que des fois ils peuvent pas se déplacer tout de suite, bon bref, next. Et au final il m'a demandé, des fois il nous dit, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça pour vous dépanner? Bah, moi je garde ça, ça dépanne. La preuve ici, pour vous dire, des fois je digère mal, etc., j'ai pris ça là, bah j'en ai pris qu'un seul après, il y a même pas, je crois même pas que j'en ai pris ne serait-ce qu'un, mais bon. Voilà, c'est pour vous dire. Bah voilà, que des bêtises comme ça. Le Derinox, si vous connaissez, ça va mettre dans le frigidaire. Faut jamais l'utiliser comme ça parce que ça marche mieux une fois que c'est dans le frigo. Donc ça, on va fermer après. Et les enfants, c'est tout ce qu'il y a de plus bête. Vitamine, ça c'est pour les moustiques. Ça c'est quand ils ont du mal à respirer, c'est de la baume comme ça. L'exomédine, parce qu'une fois ma fille a fait un panari. Bon. Pivalone pour le nez. Coclucédal, illicidine pour la toux. Regardez ce que j'ai gardé. Ça, pareil, elle avait fait une infection aussi. Ça, c'est de l'alvil s'il se passe quoi que ce soit aux douleurs. Ça, c'est pour le nez, ben, vous savez, naturel. Hein, Et ça, c'est le lavage de nez. Ça, je l'ai gardé parce que justement, une fois, un médecin au téléphone, c'était pour mon bébé, elle avait un problème. Elle avait gonflé de la bouche. Et il m'avait dit, madame, si vous avez tout de suite, le temps qu'un médecin il arrive, est-ce que vous avez de cortisone? Cortisone ou corticoïde? Heureusement que j'avais ça. Donc moi, je garde maintenant par précaution. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper d'ici de cette salle. Le dressing, je vais l'arranger au niveau des parfums, tout ça, et des bougies, les vêtements, tout ça, je vous l'ai dit. Et après, dans ma chambre, faudrait... Parce que sur la... Quelle galère. Ma coiffeuse, il y a plein de make-up dessus que j'avais ramené en vacances. J'ai vidé ça comme ça. Donc il va falloir le ranger. Regardez ça. Oh mon Dieu, je les ai achetés. J'ai pris une taille en plus. Hein. 40-41, moi je ne fais pas cette taille. Hein. Je fais un 39 voire 38 quand je maigris. Ça, je l'ai acheté à Nature et Découverte. C'est fait pour la circulation. On ne peut pas les mettre longtemps. Je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas les mettre longtemps. Je les ai essayés une fois. Je n'ai pas réussi à tenir 5 minutes. Sincèrement, je n'ai pas réussi. Parce que je suis trop une douillette au niveau des douleurs style pied et compagnie. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur Vinted. Nature et Découverte, ça, ça valait un certain prix. C'est pas grave. Alors là, il est 23h30. Je vous retrouve, c'est ça que tu m'as dit? Non, 23h pile. 23h30, 23h pile, c'est la même, c'est kiff. J'ai envie de dire, on est plus à une demi-heure près. Je tiens plus debout. Sincèrement, je suis KO. Il me reste quoi à faire? Les bougies. Et mes sacoches Vanity à trier, tout ça. Mais avant, là, j'ai posé sur mon lit très rapidement. Regarde, Lina, montre-leur tout ce que, Inch'Allah, je vais peut-être mettre sur Vinted. Voilà, qui est là. C'est plein de petites choses comme ça. Bref, je vais voir ça, hein, bien sûr. Je me suis occupée de toutes les commodes. Voilà, les deux commodes sont faites. Tout est réglé dedans, tout est bien fait. À part les petites choses de la nuit, des petites choses qui pourraient me servir. Surtout à moi de mon côté, parce qu'en fait, mon mari est de ce côté-là. Ouais, j'ai toujours la couette ici. Et moi, je suis de l'autre côté via ma commode. Là, ce qu'on va faire, il faut que je lève. Lui-là, quand je l'ai acheté, ça s'appelle le lit Armani d'ailleurs. Quand je l'ai acheté, ils m'ont dit qu'il était levable en fait. Moi, je savais pas, hein, il me plaisait comme ça. Donc, je vais aller voir à l'intérieur ce qui s'y trouve. Et donc, me reste à faire la commode. Alors, cette commode, je l'ai prise, faut que vous sachiez, c'est du blanc. Je n'ai pas trouvé avec les poignées en or. C'est pas grave, mais allez, parce que je compte acheter une commode qui rentre sous, Inch'Allah, ma télé.
Elle est magnifique. Le jour J, Inch'Allah, quand je la prendrai, je vous la montrerai. Là, pour l'instant, ça ne sert à rien d'en parler plus que ça. Mais cette commode me sert énormément parce qu'elle contient beaucoup par rapport aux achats que nous on fait les femmes, les petits make-up, les petits soins, les petits ceci, les petits cela. Voilà tout simplement pourquoi je l'ai prise celle-ci, parce que quand je cherchais une commode, je voulais des super belles, mais elles étaient trop petites. Et sincèrement, ce n'était pas possible à ce moment-là. Ma maison en bas, en haut, Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai tout trié, j'ai tout fait, j'ai tout remis nickel. Les amis, j'ai levé le lit et regardez, je ne les ai pas mis depuis l'année dernière. Mon mari m'avait offert, vraiment, je suis super à l'aise à l'intérieur. Je suis trop contente, je vais pouvoir les mettre et tout. Bon, c'est en tissu, hein, faut éviter en hiver, mais bon. L'année dernière, moi, quand mon mari les a offerts, je les ai pas mis. De mon poids, tout ça, mais là, je suis trop bien dedans. Et une autre paire, attendez, vous allez rigoler. Elles sont toutes neuves, hein, c'est pour ça que je me permets de mettre, comment dirais-je, mon pied sur mon lit. Surtout qu'il est crème, des Michael Kors, comme ça. Elles sont très mignonnes, j'aime beaucoup. Mais ma Versace aussi, elle est trop mignonne. Mashallah. Coucou, alors, là, il est minuit 15. Je suis fatiguée. Franchement, je suis KO. J'ai bien bossé. Franchement, j'ai bien bossé. Je vais m'arrêter là parce que mon dos, il me fait vraiment très, très mal. Donc, le peu qu'il me reste à faire dans, entre guillemets, ma chambre, je le ferai demain, Inch'Allah. Moi, je vais vous montrer là très rapidement ce que je mets, en fait, dans mon... ma commode. Alors, les amis, voilà ce qu'il y a dans ma commode. Il y a ça, si j'ai envie de... Parce que j'ai pas commencé à comment dirais-je, à écrire. C'est mon cahier thérapie, hein. Écrire pour soi. Écrire sur soi. Donc ça, c'est sympa. Ici, il y a des petits médocs au cas où. Là, il y a des boules caisses, ça sert toujours. Là, c'est Nima Hong qui me sert. Bon, des autres boules caisses, en fait, ceux-là, il va falloir que je les mette là parce que c'est ma fille qui a fait ça. Ici, c'est si j'ai chaud. Et là, en dessous, j'ai des petites choses si j'ai envie de les lire. Des aliments qui font maigrir. Et là, il y a plein de jeux comme des mots fléchés. Il y en a. Et en dessous, c'est des points qui sont ici, là, celui-là, les points à relier. Là, c'est pour se laver les mains. Ça, c'est un macaron quand j'ai mal à la tête. C'est un marque-page Harry Potter. Ici, c'est les gouttes pour les yeux, pour mon allergie. Bah, parce qu'en fait, je ne pouvais pas le mettre là-dedans, ça ne rentrait pas. Et ici, c'est entre guillemets, ce n'est pas des AirPods, mais style AirPods, elles fonctionnent très, 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 très bien. Et là, c'est mes Verters au cas où, si je ne suis pas au top de ma forme, comme là, j'ai à peine mangé. Donc, du coup... ça peut servir, sauf que non, là, je vais manger mon flan. Voilà ce que je mets en gros, vous avez saisi, hein, dans ma commode. Coucou, coucou, les amis. On se retrouve aujourd'hui, donc le 26 août. Moi, j'espère que vous allez bien. Je suis KO, KO, KO à un point où j'ai dû aller, comment dirais-je, sur Internet prendre une masseuse à domicile. Pour demain, Inch'Allah. Oui, 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 j'ai besoin de me décontracter. J'ai pris massage crânien et le corps. Ensuite, je vais continuer, mais avant, c'est-à-dire je vais continuer ma chambre, comme je vous avais dit, deux, trois trucs qui me restent. Et je vous montre ça, niveau organisation et tout, comment j'ai fait tout ça. Et rangement, vous avez compris. Pour moi, organisation, rangement, c'est la même chose, hein, ménage. Pour moi, c'est tout un truc qui se ressemble, quoi. C'est, pour moi, ça fait partie du même délire approximatif. Donc, voilà. Et là, il faut que j'aille juste avant, tout de suite. Il faut que je me change. Et il faut que j'aille à Aéroville parce que j'ai acheté un article dans une boutique. Il ne fonctionne pas. Il faut que j'y aille voir ce qui se passe. Les colis que j'ai de Vinted à mettre au Mondial relais. Et en récupérer aussi. Alors, les amis, là, on se retrouve. Il est... Quelle heure, les filles? 21h05. Et je viens de rentrer d'Aéroville, des magasins. Les amis, on se retrouve. On est toujours le même jour. Et il est 1h20 du matin. Et c'est maintenant que je vais trier ce meuble, cette commode. Ça y est, j'ai fini le dressing. Je vous montrerai ça à la fin.
Et après, je clôturerai le vlog pour me faire plaisir et vous booster la chaîne. Si vous voulez me soutenir, le partage, l'abonnement, les likes, commentaires, ça fait toujours plaisir. Bref, je vais arrêter de discuter. Comme je vous ai dit, il est 1h20 du matin, je suis éclatée. Donc là, tout est fait. J'ai retiré de mon dressing ça, parce que je vous montrerai après. Hein. Suivez bien. J'ai tiré ce parfum-là, le Lady Million, ma fille le veut. Le Flower in the City, je vais peut-être le mettre dans la salle de bain de mes enfants en chip-sheet. C'est super sympa, moi, je trouve. Et celui-là, Lolita Land, de Lolita Lumpinka. La couleur est comme ça, hein. Je l'ai acheté, c'était Sephora ou une autre, mais peu importe. Elle était comme ça, la couleur. Donc ça, déjà, je l'ai mis là. Ça a disparu de mon rangement au niveau de mon dressing que je vous montrais tout à l'heure. Ça, je l'avais mis avant de me faire les ongles cet après-midi, parce que je les ai fait à l'Institut de beauté chez l'esthéticienne. J'avais mis ça. Comment vous dire? J'ai pas kiffé. Donc je vais peut-être le mettre, peut-être, comme il est tout neuf, je l'ai mis qu'une seule fois, je vais le mettre sur Vinted. Au niveau des pinceaux, je garde tout, je les kiffe tous. Là, vous voyez, il y a un cadre ici. Il n'a rien à faire là. Je l'ai mis là pour l'instant parce qu'on l'a installé il n'y a pas longtemps. Et il faut que je lui trouve une place. Après, maintenant, on continue. Alors, là, on va faire du tri. On a un peu de tout. On a du rouge à lèvres, on a du fond de teint. On a des poudres et des blushs. Là, on a un bronzer que j'ai acheté. D'ailleurs, je ne m'en suis pas servi. Je l'ai pris pour les vacances. Ça, de chez Clarins. Donc ça, je vais le vendre parce que concentré éclat. Donc sur Vinted, c'est pour avoir un teint hâlé. Ça sert à rien, je vais pas le garder, donc je le retire. Ici, c'est ce qui est, vous savez, mes fossiles, etc. Vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est Tarte, etc. Moi, je les mets là. Je les remets comme ça, hein, parce que sinon, je vais mettre 3 heures si je range avec vous. Ah oui, ça, je vais l'enlever. Là, je viens de le voir aussi. C'est de la marque Eucerin, c'est en anti-pigment. C'est pour, vous savez, si on a un problème au niveau tâche, etc., sur le visage, n'importe où, ça enlève. Sauf que moi, hop, next, j'en veux plus. Là, c'est tous les rouges à lèvres, etc., vous avez saisi. Là, c'est tout ce qui est highlighter. Là, c'est une poudre comme ça. C'est les, ouais, c'est la Givenchy, mais poudre fixatrice, matifiante et floutante. Franchement, elle est au top. Donc ça, je garde. Alors, qu'est-ce que je vais retirer? J'ai tellement de choses. Alors là, c'est un truc. Ah, lui. Lui, je ne vais pas m'en servir. C'est Anastasia Beverly Hills comme ça. C'est pour les sourcils. Je pense que je vais le donner celui-ci. Là, c'est du Dior comme ça. Là, c'est les trucs à sourcils, les yeux. J'en ai 4 tonnes dans ces trousses-là que je vais vous montrer après. Et c'est Yves Saint Laurent. Je le garde bien évidemment. Ça, je ne l'ai jamais mis. Base intensifiante pour les yeux. Il faudrait que je la teste. Franchement, il faudrait que je la teste. Là, c'est un eyeliner. Là, je l'ai utilisé en vacances. Il est au top. C'est Chanel en fait. C'est une autre teinte. Je l'ai kiffé. Je la garde. Ça, c'est ce qui va avec. Je le mets ici. Là, c'est ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas si je le garde ou pas. Mais je ne pense pas que ce soit ma taille. Ce n'est pas un pec, vous venez d'entendre. C'est la chaise à ma fille qui fait 4 milliards de bruit. Parce que c'est ma fille là qui m'aide à... qui a voulu filmer. Ça, je vais voir. On va voir ça. Ça, je le garde. Ça, je le garde. C'est Christian Dior. Ça, Too Faced. Alors, je ne m'en sers pas. C'est le... Il faut juste que je donne un coup. Mais elle est nickel. Je ne m'en suis pas servi peut-être une ou deux fois pour être très franche. Et l'highlighter, j'en mets pas plus que ça, j'ai envie de dire. Celui-là, je vais donner. Ça, je garde le Too Faced comme ça. Je le garde. Ouais. La Vichy, la poudre comme ça. Ah, je pense que je vais la garder. Je l'aime bien, elle est toute neuve. Too Faced, oh, elle est jolie aussi, j'aime bien. Je le garde, je m'en sers celui-là. Là, bien sûr que je m'en sers, c'est le terracotta comme ça. Hop. Alors là, je vous montre, parce que là, pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Mais je vais pas vous montrer... Je le garde comme ça, moi je me comprends. Hein. Vous avez saisi hein, dans mon petit truc, moi je me comprends. Là c'est l'highlighter. Becca, il va partir. Je vais le mettre sur Vinted, ouais, il va partir. Là pareil pour ça. Là pour l'instant jusqu'ici, je vois rien qui part. Là de chez Kiko, c'est quoi? Ah, j'aime trop regarder les couleurs. Elles sont magnifiques de dingue. Donc je vais le garder, c'est des blushs. Non, elles sont trop belles, les couleurs, je les aime bien. Là c'est quoi? Charlotte Tilbury, pareil, je suis dingue de ce truc. C'est un blush, hein? Ah ouais, 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 il claque. Ça, c'est pareil. Et je le garde. Hein. En vacances, je l'ai mis. Et sincèrement, ça fait un teint de malade. Franchement, j'ai pas voulu me maquiller. Mais juste le soir pour sortir un peu, et ben ça faisait comme de l'highlighter. Mais vraiment, vraiment pour tout le visage, quoi. Donne un teint lumineux. Je peux vous dire que c'est génial. Là, par contre, je vais m'en débarrasser. Le Dior, le backstage. Mélangé au fond de teint. Tout seul ou mélangé au fond de teint. Je vais le mettre... Pareil, je le vire, hop, il n'y en a pas besoin. Celui-là, je le kiffe.
J'en mets très rarement parce que je ne me mets pas du make-up à 24, H24, 7 sur 7. Moi, regardez, vous me voyez. Bon, là, je crois que c'est tard, mais j'en mets pas tout le temps. Je kiffe, mais j'en mets pas tous les jours. Ça, c'est pas vrai. J'en mets dès que j'en ai envie, mais voilà. La base comme ça, je l'ai kiffée, je la conseille. Celle-ci, je vais tester. C'est le light medium, il faut que je teste. Donc ça, pareil, je garde. Ce n'est pas à sa place là-bas avec les autres. Je vais le mettre ici. Voilà. Les poudres comme ça, ça, ça. Là, vous avez compris, c'est style fond de teint. Après, vu que ça, c'est un style fond de teint, on va le mettre là. Là, ça n'a rien à faire là. Ici, ça, je garde. Ça, je garde. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, je vais m'attaquer à cette partie-là. Ça va être une galère. C'est super joli, mais je ne sais pas. Là, c'est Kiko comme ça. J'ai été grave vite, hein, mais il est beau. Là, c'est un MAC. Je sais pas. Je l'ai testé, vous voyez, une fois. Mais pour être franc, je sais pas si je vais le mettre. Il est un peu trop... il est un peu trop flash à mon goût. Je pense que celui-là, ouais, je vais le virer. Après, le Fenty Beauty. Ça, c'est bien les miniatures pour partir en vacances, etc. Moi, j'aime bien. Mais là, la couleur, moi, c'est pas mon délire. Donc, hop, Fenty Beauty comme ça, je vais le faire partir pareil. Tout ça, je vais mettre sur Vinted. Hein. Le Nars. Le Nars, il est trop mignon. Mais à mon avis... celui-là, je vais peut-être le donner, il est tout petit. Ouais. Bref, en tout cas, je le fais partir. Le BK. Moi, je ne suis pas highlighter. Ouais, je vais le faire partir. Ça ne sert à rien. C'est le BK comme ça. Je vais le faire partir. Peut-être que je vais le mettre par deux comme ça. Et voilà. Je vais voir comment je vais mettre ça. Si je le mets sur Vinted ou si je le donne, on verra bien. De toute façon, dans Vinted, je le mets en barre d'infos, les amis. Là, c'est un autre BK comme ça. Il est super mignon. C'est un rosé glow. Non, je le mets pas. Je vais pas mentir, je le mets pas. Donc ça sert à rien, ça serait du mytho que de dire je le mets. Ouh là là ! Ça c'est Too Faced comme ça. C'est Chocolate Soleil, c'est une poudre bronzer mais mate. Et c'est de la teinte médium. Là j'ai bronzé quoique. Donc je sais pas moi si je mets ça. Oh c'est très dur les amis. Non là j'ai pas envie de le mettre celui-là. Il m'attire pas. Faudrait que j'en trouve parce que j'ai ceux-là. C'est ceux-là que je mets, comme je vous ai dit, vous savez, des... ceux-là. Ou la terracotta que je vous ai marqué, je vous ai montré de Guerlain. Ah, ça, c'est un couleur chair, on va dire. Hein, c'est un fer pâle. Mais pareil, Charlotte Tilbury, je vais le faire partir. Non, je vais peut-être le garder. Lui, il m'attire, je vais peut-être le garder. Ouais, non, lui, je vais le garder, je vais le garder. Donc, hop, je le mets là et après, je vais voir comment je remets tout ça. Les rouges à lèvres, tous ceux-là, c'est des Too Faced, c'est des... Comment on appelle ça? Bah ouais, Too Faced, des Lancôme. Du coup, encore, je sais même plus, parce qu'il y en a tellement, Charlotte Tilbury, n'importe quoi. Christian Dior du MAC. Du MAC, ça, c'est une base de chez MAC, je garde. Ah, ça, j'ai kiffé. C'est Kelly Jenner. Moi, je les kiffe. Celui-là, je vais peut-être enlever le rouge Velvet INCK. Je sais pas. Je l'ai jamais testé en plus, le pire. Hein. Rose Me Tender, c'est le 01. Je pense que, ouais. Ça, tout ça, là, c'est bye bye. Ouais, ça, j'en fais du tri. Génial. Oh là là, je l'ai mis pendant les vacances. Je vous explique. C'est un... Je crois que c'est un repulpant de chez Sephora. Il pique. Ouais. Oh mon Dieu, je sais plus parler. Un repulpant de chez Sephora. Et sincèrement, je l'ai kiffé. Ça pique, mais je l'ai kiffé. Franchement, j'aime trop. Ça, je vais peut-être l'enlever. Ouais, Kiko, comme ça, ça, je vais le donner, par contre, parce que vu la couleur et vu que je l'ai mis plus trop. Ici, c'est quoi? Dior Addict. Je le garde aussi. Ouais, tout ça, je les garde. Ah, ça, c'est Benefit, comme ça, je garde. Il y a MAC. Il y a ceux-là. Vous savez, chez Too Faced, là, je garde aussi. Ah, ça, c'est pour mes yeux. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je devrais le mettre ici. Normalement, il va là, lui. Ça, c'est pour, vous savez, pour faire pousser les cils, etc. C'est un sérum, en fait, comme ça, de chez Lancôme. Donc, comme c'est pour les yeux, je mets là. Bah, il y a du Chanel, il y a MAC, je vous l'ai dit, il y a du Lancôme, il y a encore MAC. Là, il y a un Huda Beauty. J'ai envie de dire que celui-là, je ne sais pas si je m'en sers. Si je m'en sers, franchement, je... Hop, celui-ci, je ne l'ai jamais testé, mais ça ne va pas tarder, Inch'Allah. Le Dior Lip Glow. Ah, il est trop joli. Ça fait une teinte super naturelle et tout. Oh, magnifique. Lancôme, encore une fois. Tout ça, je garde. Et là, il y a les crayons comme ça de Kylie, mais Kylie Jenner. Sauf que moi, il y a un seul truc que je déteste là-dedans, c'est qu'il faut les tailler. Et j'ai retiré tout ça. C'est déjà bien. Allez, hop, ça, c'est bon. Next. On va ici maintenant. Ça, je suis en train de me dire, est-ce que je garde ou je ne garde pas? Vraiment, c'est quoi ça déjà? C'est 50 UVA UVB crème correctrice haute couvrance. Haute couvrance. Non, je vais peut-être la garder. Ouais, je la mets là, je la garde. Alors, je vous explique.
ça, je vais le garder. Ça, c'est le Lancôme, le lacté. Je le garde, je le kiffe. Ça, c'est quoi? Ça, je ne l'ai pas encore testé. Alors, je vais le tester. Mais je sais qu'à mon avis, je pense que je vais l'aimer. Si je ne l'aime pas, au pire, aux premières utilisations, si je vois que ce n'est pas trop mon délire ou quoi que ce soit, je le mettrai à partir. Mais voilà. Ça, je suis en train de me tâter. En tout cas, c'est toutes les crèmes. Ah, ça, je le fais partir. Docteur Pierre Rico, soin lissant, auto-bronzant, visage. Ça, je vais le faire partir. Allez, hop, next. Après, ça, c'est Glowish comme ça. Donc, la numéro 1 au niveau des teintes. Mais comme là, j'ai bronzé, comparé à ce que j'étais blanche par rapport à avant, j'ai bien pris des couleurs. Hein. Moi, je le vois. Et ben du coup, j'espère que ça va m'aller, quoi. On verra. Mais il est très, très bien. Il me paraît très bien, du moins, parce que je ne l'ai pas encore testé. Là, c'est un quoi? Un fluide de teint. Et quand c'est fluide de teint, c'est plutôt léger. Donc, moi, j'aime bien quand c'est léger. J'aime pas quand c'est costaud. C'est quelque chose que je kiffe pas trop. Je suis pas à l'aise, moi, avec des choses costauds. Alors, kiwi. Crème contour des yeux hydratante, rafraîchissante. Crème contour des yeux hydratante. Non. Je vais la faire partir. C'est de la marque kiwi. C'est ça, KW. Je l'ai acheté sur Sephora, en plus, ça, normalement. Ah, Sephora, du moins, au magasin. Là, ça, je vais garder. C'est le masque, faudrait que je le teste. Je le laisse là, ici, comme ça. Ça, je me tâte. Pour être franche, ça, je me tâte. Ça aussi, je me tâte. C'est quoi? C'est Urban Decay. Mais je ne sais pas s'il est balèze ou pas. Je me tâte, les amis. Je pense que je vais le garder. Donc, je le mets là. Ça, c'est Merci Andy du spray nettoyant. Il nettoie les mains. Je vais peut-être le mettre dans ma voiture. Donc, je le garde, mais je le sors. Parce qu'il ne va pas rester ici. Ça, je vous l'ai dit, c'est un hydratant, vous savez, illuminant, nanana, de chez Glam Glow. Ça, je vais le garder. Donc là, pour l'instant, je le mets là parce que sinon, vous n'allez pas voir le délire. Ici, ça, je garde. Attendez, hein. Ici, c'est quoi? Exfoliant clarifiant de chez Pixi. Mais je vais le garder. Ah, ça, je vais le garder aussi. Mais il faut que je la sorte. Ça, les amis, comment vous dire que je me tâte? Je ne sais pas. C'est des masques frais repulpants. Je sais pas si je vais les garder ou pas. Pourtant, j'ai un pour mettre les masques. Mais là, je me tâte et je me tâte. Ça, je sais pas. Je pense. Je sais pas. Tu aurais fait quoi, toi, chérie? Parce qu'elle me connaît, ma fille. Donc, dégagé. T'aurais... Hein? Dégagé. Ouais, tu penses que je vais pas l'utiliser, c'est ça? Ou alors, ça va me gêner ou c'est des choses comme ça. Ouais. Parce que c'est vrai, en masque, je suis plus fraîcheur comme ça ou d'autres choses. Que c'est vrai que cela, j'ai un petit peu peur de pas trop... Je pense que je vais l'enlever. Ça, c'est Mario Badescu. Je vais le virer. C'est une lotion que j'avais prise, en fait, au cas où, pour les boutons, etc. Quoique, si on a une période... Non, je vais le virer, je vais le virer. Regardez, voilà, c'est pour montrer. Mais ça, c'est pour assécher, etc., etc. C'est toujours Mario Badescu. Je sais pas pourquoi, j'ai été folle quand j'ai pris ça. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est n'importe quoi. Ça, c'est de chez MAC. Et c'est un quoi? Une crème hydratante lumineuse. Je vais voir si j'hésite. Pour l'instant, je la garde. Ensuite, ça, c'est une huile de chez Clarins. Je la garde. C'est trop bien pour le visage. Ensuite, ça, c'est de chez Chanel. Bien sûr, baume nourrissant lèvres. Ah, on garde, on garde. Donc là, je le mets là. Ça, je mets ça comme ça. Ici, on a Glam Glow. J'aime trop ma Glam Glow. Masque soin stimulateur d'éclat. Je garde. Pareil, ça aussi, j'ai un autre Glam Glow comme ça. Masque soin raffermissant. Il va falloir que je teste. Hein. Mais je suis déjà sur des choses. Donc, voilà, Christian Dior, c'est trop bien. Bon, ça, bien sûr que je garde. Hein. C'est un créateur de peau parfaite. Je garde. Lui, c'est quoi? C'est sérum apaisant anti-rougeur. Je ne l'ai pas utilisé, mais ça peut toujours servir. Parce que moi, c'est vrai que j'ai quand même la peau sensible. Hein. Donc, ouais, je garde. Là, c'est la neige. Et la neige, c'est quoi? C'est une crème. Apparemment, c'est de la vitamine C, je pense. Hein. Teint uniformisé, éclat. Je kiffe, je vais garder moi. Tout ce qui donne de l'éclat, j'en suis dingue. Là, 7,70, je l'avais payé chez la marque Rennes. Il y a quoi dedans? Je ne sais plus. On a quoi? Un tonique. Ça, j'aime trop. Et ici, on a une gel crème d'éclat. Je garde aussi. Est-ce qu'on peut mettre la lumière ici? Comme ça, ça fait plus d'éclairage. Hein, si tu veux. Yves Saint Laurent. Et là, c'est un sérum. Un sérum, en fait, d'anti-fatigue et resurfaçant. Ça, je pense que je vais le mettre aussi sur Vinted. Le sérum, ouais, non. Non, 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 non. Là, c'est ma gamme. Eh ben, dis donc. Là, c'est de la crème pour les mains de chez Chanel. Je garde. Là, c'est quoi de chez Chanel? Le lisse raffermi. C'est la crème des yeux, donc, justement. Hop, hop, on garde. Ah, ça, c'est une huile, il me semble. La marque Paille.
Huile visage universel. Oui, je garde. Kika, tu gardes, voyons. Oh là là, Kika, tu fais que des bêtises. Hein. Après, ensuite, ça, c'est Shiseido. Alors, c'est crème super revitalisante absolue. Garde. Mais en tout cas, tout ce qui est Chanel, les big grosses marques, je garde. C'est, je kiffe, j'en suis dingue en plus. Hein. Concentré botanique d'Alfafa. Donc, c'est une crème de nuit. Celle-ci, c'est la crème de quoi? Ben, la crème fine hein, de jour, tout simplement. Là, on a une crème, je garde, hein, bien sûr. Hein. Là, c'est la neige. Et c'est quoi, la neige? Base, sérum, éclat. Je ne sais pas si je vais garder ou pas, mais je pense que oui. Si, quand même, faut pas abuser. Et là, crème hydratante instantanée de Charlotte Tilbury, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'est à 30 ml. Je garde également. Là, c'est Pixie. C'est des patchs pour les yeux, patchs lissants. Il y en a 30 paires, donc 60 patchs. Plus la spatule. Bah écoutez, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre au frigo, comme ça, je vais m'en faire. Là, c'est tout, ouais, les Chanel, les nanas. Bref, j'ai mis ça comme ça. Je me retrouve très bien dans mon truc. Là, c'est toutes les crèmes et des fonds de teint en plus. Ensuite, là, ça va être une galère ici. Et comment dirais-je? Là, c'est mes... alors, avant, j'avais des... Sans mentir, hein, moi, j'avais des centaines de palettes. Et quand je dis des centaines, c'était facile, à peu près facile, hein, 300 palettes. Mais je ne les avais pas montrées, c'est, il fut un temps. Et à force, on donne, ou alors elles ont pourri, vous savez, elles font des choses bizarres, ou alors elles sont pas bien, ou alors les couleurs ne nous plaisent plus. Bref, vous avez saisi l'histoire des palettes, quoi, quand on les garde plus. Ou alors, on se dit, bon, je m'en sers pas plus que ça, alors je vais donner. Bref, j'en avais vraiment beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, beaucoup. Et maintenant, j'ai ça. Je les ai mises là. Donc là, c'est les Friends, je les ai mis juste devant. Mais elles sont ici. Il y a là, et il y a tout en bas, et j'ai même mis des fossiles. Alors, je sais pas du tout combien j'en ai, très sincèrement, on s'en fiche. On y va. Donc là, les Make-up Révolution, moi, je keep parce que c'est Friends. Je keep, bien sûr, je keep parce que c'est Friends. Donc ça, je garde. La dégaine maison, ouh. Moi, je la kiffe, ma robe. Un truc, voilà, je la kiffe de ouf. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave, on est entre nous. Oh là là, ça va partir. Je vais le nettoyer, et ça va partir. Ça, par contre, ça va être un don. Mais je vais la nettoyer parce qu'en soi, c'est juste parce qu'une de mes filles l'a touchée là il y a quelques jours. Ça, j'en suis persuadée. Parce qu'elle n'était pas comme ça. Regardez dans quel état elle est. Catastrophique. Je suis dégoûtée là. Va falloir que je nettoie. Hein. J'ai n'importe quoi. Celle-là, je l'enlève. Next. Alors ici, j'ai quoi? J'ai du Too Faced comme ça. Oh là là, ça va être dur. Mais je m'en suis servie. Je les ai toutes utilisées. Oh non, quoi que. Il y en a que je n'ai pas utilisé. Je suis une mytho aussi. Celle-là, je l'ai utilisée. Celle-ci aussi, je l'ai utilisée. Celle-là, je ne l'ai jamais utilisée. C'est la Natasha Denona palette, la mini micro palette comme ça. Celle-ci, je pense qu'elle va partir aussi. Parce que j'ai voulu la garder, mais pourquoi? Quoique, c'est dans le sac, c'est plutôt sympa. N'importe quoi, qu'est-ce que je m'en fous? Comme si je vais être dehors. Non, allez hop, mec, c'est n'importe quoi. Là, je garde pour rien du tout. Non, moi, j'ai pas envie de garder pour rien. Celle-ci aussi, je l'ai testée, j'aime beaucoup. Donc voilà, la Too Faced. De toute façon, Too Faced, j'en suis dingue. Donc voilà, et on n'est pas... Je ne suis pas la seule, hein. J'ai des copines aussi qui kiffent Too Faced, d'ailleurs je leur fais des gros bisous si vous passez par là. Là c'est du Marc Jacobs. Alors bien sûr il y a ça à nettoyer, mais moi je kiffe, je l'ai essayé, hein. Vous savez je l'ai testé, donc là je garde, j'aime bien les couleurs, donc je vais garder, j'ai celle-ci comme ça, je vais la garder aussi, je kiffe les couleurs. C'est là comme ça, chocolate. Kika, c'est pas quoi faire. Celle-ci, je me tâte, pour être très franche. Ouais, je me tâte. Je me tâte de ouf. Je verrai celle-ci. Ah, celle-ci, c'est la Riviera Anastasia. Je la garde. En plus, c'est un cadeau. Donc, moi, ça me touche quand on me fait des cadeaux. Donc, dans le cœur, pour moi, c'est tout ce qui est sentimental. J'ai un petit peu mal, à l'exception, bien sûr, mais à m'en débarrasser, pour être très franche. Celle-ci, c'est la Sultry Anastasia. Celle-là, je pense que c'est pas un cadeau. Et je vais peut-être m'en débarrasser. Ouais, celle-ci, peut-être, elle va aller sur Vinted. Ouais, celle-ci, je... Non, je vais pas la garder, celle-là. Et next. Celle-ci, c'est moi qui l'a... Ouais, je l'aime bien. Elle est trop jolie, c'est Too Faced. Alors, moi, à sa place, celle-là, je la garde. Ça, c'est ma soeur qui me l'a offert. Je kiffe. Ah là là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Parce qu'attendez, comment c'est mis là? Vous savez, quand je vous ai montré le milieu, mais un coup, par exemple, comme là. Là, par exemple, c'est pour le hop là, hop là. J'aurais pu le mettre là avec les autres, là, le blush, etc. Non, non, moi, je change, j'alterne. Comme toutes les femmes, j'ai envie de dire, je pense. Ça, c'est ma soeur. Donc, j'aime trop.
J'aime trop la micro, je vais la mettre là. Allez, hop, 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 toi, tu vas là-bas. Toi, pour l'instant, je bug, je vais la mettre là. Alors ici, on a quoi? On a du Urban Decay, je vais vous dire clairement. Tu sais, comme ça, là, elle est toute mini. Regardez, c'est nickel. Hein. Je vais peut-être le mettre, j'ai même pas enlevé le... Vous savez ça, là? Ouais, je pense que celle-ci, je vais peut-être la mettre sur... Vinted. Allez, hop, next. Ouais, non, je vais pas la garder, celle-ci. Ça c'est un gros, comment dire, ça c'est un bug pour moi, parce que je suis dingue de Too Faced, j'en suis dingue de chez dingue, mais à un moment donné, pourquoi garder quelque chose qu'on se sert pas ou qu'on n'a pas kiffé, vous voyez ce que je veux dire, faut arrêter de déconner quoi, à un moment donné, c'est n'importe nawak, voilà, je m'en suis servi de celui-là, et après, ceux-là, pas du tout, et celui-là, même pas aussi. En fait, j'ai pris que celui-là et celui-là. Après, il faut bien sûr nettoyer. Hein, ça, c'est évident. Hein, ça, je vais le faire. Il n'y a pas photo. Mais je pense que... Ouais, je pense que je vais l'enlever. Allez, hop. Ça part. Vinted. Ça va être un gag, là, pour mettre ça sur Vinted. Je vous le dis. La Nude comme ça ou Da Beauty, je vais la garder. Je sais d'avance que je vais la garder. Je la kiffe. En plus, je ne l'ai pas encore testée. Donc, celle-là, ouais, je vais la garder. Après, il y a la NARS. La NARS aussi, je l'aime bien. Les couleurs, pourtant, elles sont simples. Hein, mais attendez, je vais regarder. Voilà. Elles sont banales. Ah, je sais pas. Je sais pas si je garde celle-là ou la Too Faced. Celle-là. Celle-là? En fait, tu décides à ma place. Quoi. C'est génial. Quoi. Je viens de m'en rendre compte. Ma fille qui décide à ma place. J'hésite entre celle-ci et la Too Faced. Parce que c'est des teintes quasi... Oh, quasi, hein, j'ai envie de dire, qui se ressemblent. Non, celle-ci, je vais l'enlever. Je m'en suis jamais servie. J'ai envie de dire sur Vinted, enfin, personne n'a acheté, donc... Quelqu'un qui est intéressé, il est intéressé. Hein, c'est Vinted, c'est les bonnes occasions. Et puis, quelqu'un qui n'est pas intéressé, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Puis, au pire, on donne. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais. Hein. En général, alhamdoulilah, ça marche très bien. Dieu merci. Franchement, je suis très contente. Ça marche bien. Ça se passe très bien sur Vinted. Et si parfois une ou deux choses ne partent pas, soit via le prix ou soit parce que, ben, je ne sais pas, ça ne plaît pas. Ben, je donne parce que je connais du monde et je donne tout simplement. Donc ça, Vinted celui-là. Ensuite, toutes celles-là, on va les garder. J'en suis dingue. Donc là, je ne vais pas vous les montrer, mais vous avez compris. Hein, les Huda Beauty comme ça, je garde. La Rose Quartz Huda. Elles sont magnifiques. Regardez, je vous en montre une comme ça. Mais elles sont trop belles. Non, 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 non. Je les aime trop. Vous n'avez même pas idée. La Huda Beauty comme ça, à celle-ci, je vais peut-être m'en débarrasser. Ouais, non, celle-ci, en fait, je m'en fous un petit peu. Toujours nettoyer avec le coton-tige, les blablabli, les blablablou. Celle que j'ai utilisée, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Ouais, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. J'en ai utilisé 6, là, de ce que je vois. Bref, non, non, celle-là, je l'enlève. Non, elle me dit... Ça sert à rien, elle me dit rien. Je l'ai testée, elle me... Ni chaud, ni froid, celle-ci, hein. Après, la nude, on regarde, c'est la nude, il y a ça. Non, 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 je l'aime trop, je l'aime trop. Et celle-ci, la Nude là, de chez, ben, toujours Huda Beauty. Magnifique, magnifique, je garde tout sans commentaire, je garde. Voilà. La Too Faced Just a Peach Matte. C'est quoi, ça? Ah, je kiffe, j'aime bien. Ah, les couleurs sont belles, je garde. Ici, I'll Be There For You, donc c'est Friends, je garde. Voilà, j'aime beaucoup, je garde, j'ai testé, j'aime bien. Voilà, après, c'est un autre truc. Ah oui, il y a celle-là, Urban Decay. La pop, c'est le bleu que j'aime bien. Là. C'est le bleu que j'aime bien. Mais j'en ai d'autres. Donc, je vais être dans la galère. Hein, moi, je... Et c'est pas ça, c'est que là, je viens de me rendre compte que celles qui sont comme ça, elles me font un peu ni chaud ni froid, en fait. Vous savez, les cartonnées. Quoi, je dis ça, et puis ça se peut que demain, je re-kiffe. Je suis très spéciale, mais là, tout de suite, comme ça, je sais pas. Non, je vais la vendre. Ouais, je vais la mettre sur Vinted, celle-là. Allez, hop, je l'enlève. Ouais, non, franchement, je l'enlève. Celle-ci, on a dit qu'on gardait. La Riviera, cadeau, je la kiffe d'une copine. Après, celle-ci, je vais voir laquelle que je vais retirer. Là, c'est la, celle-là. Ouh là 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 là, la Zoeva, la Zoeva. Je suis franche avec vous, je ne sais pas non plus si je vais la garder. Ah, problème, problème. Hein. Et celle-ci, c'est la Zoeva comme ça. C'est un cadeau, je la trouve très jolie, je vais la garder. D'une copine aussi. Donc, et celle-là, c'est moi. Ouais, ouais, celle-là, c'est moi. Mais elle est belle, quoi, que aussi. Non, je la garde aussi. Non, elle est mignonne. Non, franchement, je... Non, là, je garde, en fait. J'ai pas... Non, 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 non. Quand même pas. Je vais bien faire du tri, mais on va pas tout donner. Quand même, voyons. Ici, c'est les Macs. Alors, les Macs, c'est amusant, d'ailleurs. Hein. C'est des Macs très...
très très spéciales. Elles sont vraiment spéciales, les macs là comme ça. Mais je les aime bien, elles sont trop mignonnes. Celle-ci, il y en a une comme ça, Queen Nana de chez Mac aussi. Là, les couleurs, il y en a plein qui se ressemblent. Ah mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, les amis. Celle-ci, je vais peut-être la faire partir. Allez, hop. Après, il y a celle-ci. Pareil, je vais la faire partir. Parce que c'est pas trop ce que je mets réellement, quoi. C'est pas ce que je mets réellement, on peut les mettre. Mais, oh là là, celle-là, je vais la faire partir. Elle m'énerve. Oh mon Dieu. Elle m'énerve. J'ai dû la tester. Ouais, c'est ça, une fois. Hein. Regardez, on voit légèrement. Mais en plus, moi, je teste, je sais direct. Soit je les teste grave bien et je les garde. Nan, nan, il n'y a pas photo. Ou soit je les teste juste une fois et je me rends compte que c'est pas mon délire comme celle-ci. Donc, celle-ci aussi, je. Bye bye. Oh, m'a saoulé. C'est tout petit comme ça, là. Ça me gave. Vous savez, les petits comme. Je dis ça encore une fois, mais je suis chiante comme fille. Ça se peut que demain, j'en craque sur une avec des petits trucs comme ça. Oh là là. Mais en tout cas, là, ouais, là, ça me gave, là. C'est tout petit. C'est. Non. Les couleurs, je m'en fiche aussi, là, sur celle-là. Parce que j'en ai. Ça, c'est quoi? C'est la Révolution. Révolution. Elles sont magnifiques, je les garde. Les couleurs d'été, je kiffe. Je garde. Toutes les révolutions. Non, mais regardez-moi ça, je les garde. Hein. C'est des tueries. Oh là là, moi, le bleu, en plus, je kiffe mettre ça sur mes yeux. Celle-ci, elle est jolie aussi. C'est du vert, mais moi, je mets pas trop de vert. Mais ouais, je mets pas trop de vert. Peut-être que celle-là, je vais la faire partir parce qu'en fait, moi et le vert. Pourtant, j'ai des yeux verts, allez comprendre la chose. Mais non, je dis ça, mais je vais peut-être la mettre. Non, 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 non. Quoique, là, c'est peut-être une bêtise que je viens de sortir. Celle-ci. Non, je m'en fiche. Je l'enlève. Celle-ci, hop, à donner. Quoi à donner, vous avez compris. Inch'Allah, Herbie, bien sûr. Hein. Inch'Allah, Vinted. Après, on a celle-là. On a toujours le. Mais qu'est-ce qui me. Pourquoi je. Ah, celle-là, elle est comme ça. Et là, les couleurs. Très Sympa. Halloween. Oui, très Halloween. Voilà, je vais mettre ça à Halloween. Exactement, ma fille, t'as tout compris. Allez, on met ça comme ça. C'est bon. Hop. Maintenant, dans celle-là ou dans celle-là, je ne sais pas laquelle faire disparaître. Elles sont un peu trop mates à mon goût, celles-là. Ou alors c'est celle-là qui me saoule. Non, je vais faire disparaître celle-là. Elle me gave. Je m'en fous. Je préfère la narze. Allez hop. Eh ben dis donc, il y en a des choses qui sont parties. Eh ben ça fait plaisir. Ah, ça respire. Quoi, je dis ça respire comme si j'en avais enlevé 4 milliards. Mais quand même, j'ai enlevé, ouais, j'ai bien fait du tri. Franchement, ouais, bien. Ici, j'ai des fossiles. Là où je vous avais montré des fossiles de chez Sephora, je sais plus quelle marque, Tarte. Mais là, j'ai ceux-là. Donc, je sais pas ce que je vais garder. Ce que, oh, tous. Je vais peut-être tous les garder. À part ceux-là, peut-être. Ouais. Quoique, ceux-là, ils sont naturels aussi. Non, je vais tous les garder. Ils sont très jolis. Celui-là, c'est quoi? Je sais pas. Mais ils sont un Non. peu trop fins. Non, trop fins. Je Vous les avez enlève. pris clair, je crois. Je sais plus. Ils étaient à combien en plus? Ceux-là, 7,99. Non, allez, hop, Vinted. On les dégage, ceux-là. Je les garde pas. Ensuite, il y a quoi comme palette en bas? Parce qu'en bas, c'est les grosses palettes. Il y a ça. Les vilains, bien sûr, qu'on va garder. J'aime trop. Alors, la Kika, là. Disjoncté, j'avais kiffé. Je ne sais pas si je vais kiffer encore. Mais. Alors, le souci, c'est que ouais, je vais peut-être la mettre sur Vinted. Parce que là, ces couleurs-là, en fin de compte. Par contre, il y aura, hop, vous voyez, moi, je dis ce qui est. Hein, ça s'est cassé là. J'ai pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, bref. Ouais, on l'enlève, celle-ci. Celle-ci, je la kiffe. Regardez-moi ça, trop mignonne. Je la garde, il y a du bleu et tout en plus, je kiffe. Celle-ci, on va voir, c'est. Je sais plus quelle. Chez Make Up Revolution, tout ça. Hein. Mais j'aime bien les couleurs. Pourtant, je déteste. Je vous explique, je déteste les petits comme ça. C'est comme l'autre, là, tout à l'heure, là, avec les petits rectangles, là. Les petits rectangles. Là, les petits ronds comme ça. Et je parle comme une folle parce qu'il est 1h15 du matin. Bref, du coup, là, les ronds comme ça, ils me foutent la haine. Mais vu que celle-là, je ne l'ai pas testée, la garde pour. Ça, c'est Metal Crush. Bye bye. Non, je vais pas le garder. Ou à moins que je le garde pour mes yeux. Si. Oui. Je vais garder ça pour mes yeux. Exactement. Parce qu'ils disent illuminatrice extrême. Ah ouais, ça, un highlighter extrême. Non, non, mais moi, ça va être pour highlighter ici. La glitter. Ah là, la glitter, je pense pas que je vais la garder. Mais voilà. Non, non, je pense que celle-là aussi, ouais, je vais la faire partir. Non, 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 la glitter, elle m'a gavé, bah. Non, non, elle m'a gavé, elle m'a gavé. Celle-ci, je vais la garder. Vous avez, c'est la Disney comme ça. Après, on en a une autre qui est comme ça. Make-up Révolution, toujours, en hein, tout ce qui est Disney, etc.
Trop mimi, celle-là, c'est Jack, là. Étrange Noël de Monsieur Jack. Là, c'est Cendrillon. Waouh, vous voyez, j'ai ce qu'il faut en plus. Hein. Vous savez, quand on a mille choses, parfois, ça sert. Alors, celle-ci. Il fut un temps, quand je l'ai achetée, je la kiffais. Je m'en foutais de la grandeur. Et là, aujourd'hui, la grandeur me casse la tête. Attends, elle est belle. Hein. Mais je la trouve trop grande. Alors, du coup, on va voir l'intérieur. L'intérieur, c'est mignon. Alors, je l'ai déjà testé, hein. Pas beaucoup. Très peu, je dois dire, parce qu'elle est quasi neuve, celle-ci. Mais ouais, je vais la faire partir. Elle est beaucoup trop grande. Tiens, tiens, non, elle est trop grande, celle-là. Elle me casse la tête plus qu'autre chose. Ça, c'est... Ça, c'était Primark, ça. Exactement, Primark. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a une petite cachette secrète. Oh, c'est trop mignon. On garde. Là, c'est Joey. Oh, c'est trop sympa. Alors ça, c'est pour les lèvres et pour les yeux. Sauf que ça, je vais le mettre à vendre parce que c'est pas trop mon délire, les yeux et les lèvres à mettre comme ça. Et puis les couleurs, hein, j'en ai. Donc, oh, pourtant, je kiffe Friends. Hein. Je kiffe Joey et toute sa bande, mais là, non. Ça, c'est... J'aime bien la couleur. C'est Kiko. Et ouais, j'aime bien les couleurs. Elles sont tellement discrètes. J'ai jamais utilisé celle-là. Moi, j'aime bien de fois en 2-2 mettre quelque chose de très léger. Je trouve ça excellent. Donc, vous, les grosses comme ça, vous allez là-bas. Ça, elle est belle. Elle est belle. Il n'y a pas photo. C'est du Too Faced. J'en suis dingue. Mais encore une fois, elle me casse la tête. Non, elle est grosse. Elle est grosse. Elle me saoule. J'ai kiffé moi le bleu là, je l'avais utilisé. Et le reste, je ne l'ai pas touché. Hein. De ce que je vois, je n'ai pas touché. Donc pareil, vite tête. Non, non, je l'enlève, elle est trop grosse. Et pourtant, Dieu seul sait que je suis dingue de Too Faced. Alors là, c'est toutes les make-up révolutions comme ça de Friends. Friends. Après, il y a les plus grosses comme ça de Friends, comme ça. Ouais, je vais les garder. Hop, c'est pas hop, de ça là. Hop, hop. Non, 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 c'est pas de ça, c'est des autres. Hop. Parce qu'à l'intérieur, celles-là, elles sont différentes. Regardez, hop. Vous voyez? Il y en a des autres. Ça, je suis... Non, ça, j'en suis dingue. En plus, c'est petit, c'est joli, c'est des souvenirs, c'est notre jeunesse, c'est nos moments qu'on kiffait. Là, c'est Too Faced, toujours Too Faced. Mais le format me casse un peu la tête. Je suis chiante, en fait. Non, parce que dans la vie, on est toutes pareilles, je pense. Dites-moi, hein, c'est vous aussi. Hein. Mais parfois, je kiffe ce truc. On se retrouve quelques temps plus tard. On ne sait pas combien de temps parce qu'on n'a pas compté spécialement. Et on se dit, ah mais non, mais c'est chiant en fait. Dans le sens pas pratique, je parle. Donc là, celle-ci, c'est une nature. Couleur nature marron. Alors moi, avec mes yeux verts, ça fait super beau, mais j'ai du marron. Donc je pense que celle-là, hop, elle va partir. Tiens, mets-la là-haut, ma chérie. Celle-ci, c'est pink. Pink, pourquoi? Parce que là, c'est du pink et là, c'est... Champagne. Waouh, les filles, je vous jure que c'est dur pour moi. J'ai déjà utilisé hein, celle-ci et celle-ci, le reste non. Ok, celle-ci, je vais voir. Là, c'est laquelle? Oh là là, ça pareil, j'ai utilisé celle-ci, mais elle m'a fait ni chaud ni froid. Hein. Le noir, celle-ci et celle-ci. Il y en a, je vous ai même pas dit si j'ai utilisé ou pas. Bon, bref, c'est pas grave. Non, je vais les faire partir. Alors, il y a celle-ci, la tarte, comme ça. Je me remets mieux parce que. J'ai mal au dos, laissez tomber parce que je m'arrête pas. C'est un truc de fou depuis 2-3 jours que je vous filme là. Et je vais la faire disparaître aussi. Pourtant, je ne l'ai jamais. Ah, le truc qui me gêne, c'est que c'est celle-ci. Je suis dingue du bleu, cette couleur aussi. Les marrons, on s'en fout, j'en ai. Mais celles-ci aussi, elles sont mignonnes. Avec... Mais là, là, non mais sérieux quoi, je veux dire... Moi, j'utilise pas ça, donc sur le coup, j'ai kiffé, mais là, non, bon, next, je vais la... Ah, elle est toute neuve. Franchement, elle est nickel. Après, on a celle-ci. Je sais plus comment elle s'appelle, là, c'est Sponjac. C'est quoi? C'est la Maro... The Moroccan. Ok, d'accord, super. Et l'intérieur? L'intérieur, j'ai utilisé ça. Celle-ci. Je vous ai dit, j'aime bien le bleu. Mais je, celle-ci, attendez, je vais voir. Celle-ci, pour l'instant, je vais voir. Celle-ci, c'est la caftane. Ah! Ça peps. J'ai du peps sur une de mes palettes, mais je ne sais plus c'est laquelle. Donc, et en plus, j'en ai plusieurs, donc obligé. Je bug. Je préfère la celle de... Gauche. Je pense que moi aussi, je préfère celle de gauche. Et pourtant... J'ai utilisé plus celle-ci. Mais c'est pour ça que
J'ai pas, comment dirais-je? Regardez, j'ai utilisé celle-là. Celle-là, je le vois, j'ai utilisé. Un petit peu le vert aussi. Le jaune aussi. Celle-ci. Le jaune aussi. Mais de toute façon, Le vous voyez, rose. hein, là, j'ai pris. Donc, ah oui, celle-ci aussi, la toute couleur acar. Donc, du coup, ben, j'ai envie de dire, j'ai pas de regret parce que je l'ai déjà testée. Celle-là, c'est la Too Faced. Ouh, il fut un temps, j'ai envie de dire. Ah oui, il fut un Et temps, oui, il fut zut. un temps. Pareil, celle-ci, je m'en fous un petit peu là, comme ça. T'en penses quoi, toi? Moi, je m'en fous. Merci. Ouais, là, comme ça. Ouais, je m'en ouf. Ouais, elle va partir celle-ci là. Pff, franchement, je préfère les boîtes plus dures. Hop! Et maintenant, il y a celle-ci, la naturelle, comme ça. Too Faced, celle-ci, je vais la garder, je kiffe. Elle est trop belle, naturelle, comme ça, mais à la fois trop, trop mignonne. Entre le mat, les irisés, les pailletés, bref, moi j'aime beaucoup, je la garde. Bon, voilà. Et maintenant, quand je vous disais que j'avais quasi 300 palettes, j'en suis sûre, vous vous dites, Kika, t'étais. Non, non, je bois pas d'alcool ni rien, je fume pas, etc. Je peux vous assurer que j'en avais une blinde. Mais vous avez compris la raison des femmes qui fait qu'on ne garde pas les palettes. On se comprend, bien sûr. Donc voilà. Et puis maintenant, ben, j'ai le strict nécessaire. J'ai envie de dire quoi, le strict? J'en ai déjà pas mal, j'ai envie de dire. Alors voilà, j'ai ça. Et c'est super. Moi, je trouve ça génial. Il y en a plein qui vont pas aimer, hein. Des Mais moi, mauvaises, je quoi. kiffe parce que quand on mélange, c'est magnifique. Les couleurs vont ensemble. Donc sur les yeux, celle-là, je la garde, cette couleur. Après, j'ai celle-ci que je trouve. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris à ce moment-là quand j'ai pris celle-là? Je la trouve un peu trop fond. Non, celle-ci, je vais peut-être la mettre à. Non, peut-être l'enlever. Peut-être l'enlever, elle me fait rien là comme ça. Celle-ci, pareil, hop, elle me fait rien d'extraordinaire du marron, j'en ai. Voilà. Donc, ça, c'est Kiko, hein. Celle-ci, j'aime trop. J'aime trop. Pourtant, c'est simple, mais franchement, je l'aime trop. Après, celle-ci, pareil, elle est simple, mais. Vous voyez, là, j'ai déjà utilisé, hein. Pas plus que ça. Allez, je l'enlève. Je l'enlève. Allez, on prend quoi maintenant? Bon, on prend celle-ci. Je la trouve trop mignonne aussi. Je la garde. Et la dernière de chez Kiko. Ah, bah, je la garde aussi, celle-ci. Hein. Trop jolie. C'est des fards duo. Hein. Et moi, j'aime bien. Pourtant, de base, j'aime pas ces petits trucs-là, moi. Mais ceux-là, franchement, trop, trop mimi. Alors, je vais remettre mes Rachel et la compagnie bien comme il faut. Ça, je les mets là parce que c'est en rapport avec les yeux. Donc, attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc ça, je vais le mettre là. Ça va en dessous, les grandes. La grosse, comme ça, je la mets en dessous. Hop, hop, hop. Hop, hop. Allez, c'est bon. En fait, c'est pas bon. Je vous ai dit c'est bon, mais c'est pas bon. Hop, ça, c'est quoi? Pourquoi elle est comme. Celle-là, es-tu? Ah, celle-là est tue. C'est pas des couleurs que je me sers, ça serait mentir. Heureusement que je l'ai vue, les autres, oui. Mais celle-là, n'importe nawak. En plus, ils sont trop petits à mon goût. Celle-là, elle est jolie, n'empêche. Hein. La light orange, comme ça. Ça, celle-là aussi, celle-là aussi. Mais le reste, je m'en fous. Je vais l'enlever, celle-ci. Ça, c'est Friends, mais je vais l'enlever, c'est pas grave. Et voilà. Bah, écoutez, je suis contente. J'ai fait mon tri. Ça respire. Pour l'instant, je mets ça comme ça. Les grosses palettes en bas, je vais les mettre comme ceci. Regardez, hop. Celle-ci. Alors là, c'est des grosses bizarres. Donc, ça va être dur à mettre. Mais on fait de son mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Attendez, parce que là, c'est n'importe nawak. Hein. C'est Kika. Ouh là là. Faut que je donne un coup là, par contre. Parce que là, n'importe quoi, n'importe quoi. Je vais mettre celle-ci comme ça. Et celle-là, je vois pas le rapport, donc je vais la mettre ici. Et là, c'est le Disney. Il y a peu de Disney ici. Ben si, vu que ça, c'est du Disney, hein, ça n'a pas le rapport aussi non plus. Je vais les mettre. Non, je vais les mettre comme ça. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Là, c'est, je sais pas comment les mettre. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Pour l'instant, je range comme ça. Et ça me va très bien. Oh, c'est cool. Ça fait du bien. Regardez tout ce qu'il y a ici, hein. C'est un truc de fou quand même, non? Ouais. Eh, mais c'est un truc de malade là! Ouh là là! Vinted, Vinted et Don! Ouais, non, parce que j'aime bien donner aussi. Hein. Puis il y a des choses qui se mettent pas sur Vinted. Hein. C'est ce qu'il faut savoir. Le bruit que vous avez entendu, c'est quand j'ai remis mon sous-vêtement, on va dire. Comme ça. On va aller là. Là, c'est tous les trucs. Alors là, ça va être très simple. Regardez. Merci.
Là, c'est quoi? Tonique et hydratant la neige. N'importe quoi. Et voilà, bah, les amis. Regardez, regardez. N'importe quoi. Hein. Donc, ça, ça va là. Ici, c'est tout ce qui est masque, des lingettes, des... comment on dit ça? Masque, visage et corps. Là, j'ai ça et je pense pas que je vais le garder. J'ai déjà jamais utilisé. Lait nettoyant doux visage. C'est pas trop mon trip. Ça, je sais pas. Donc, je le mets là. Regardez. Voilà. En gros, là, c'est un masque. Ici, resurfaçant 5 minutes. Ça aussi, c'est un masque. Vous savez, c'est des masques comme ça, là. CBD, là. Je l'ai acheté à The Body Shop. Mais je les regarde. Ils disent masque riche, nettoyant, apaisant. Ben, écoutez, je l'ai jamais testé. Pour... Là, c'est Filorga. C'est quoi? Contour des yeux, Filorga. Non. Je vais pas le garder, ça. Ça, je vais les garder parce que c'est mes enfants. Ça, c'est trop mignon comme ça. C'est chez Too Faced, c'est quoi? Attendez. Un quoi? On ne sait pas, mais ça, c'est un glow. C'est pour la nuit, c'est pour se redonner du glow. Trop mignon, je vais le mettre ici, je verrai ce que je vais faire avec. Là, c'est pour les nettoyages, vous avez saisi. Ça, c'est quoi? Attendez, parce que là, on commence à... Je vais péter un blond, là. Là, c'est gel crème booster d'éclat. Donc, gel crème booster d'éclat à Borian. Je le garde. Vous avez compris, je kiffe l'éclat. Donc, ça, ça va là. Ici, c'est masque peeling. Ah, j'ai hâte de le faire. Ça donne quoi, d'ailleurs? Ah oui, c'est ça. Comme ça. Hop. Je vais le mettre là, comme ça. Ah, là, c'est... Ben, je vois pas pourquoi c'est là. Alors, Shiseido. Je le garde, bien sûr. Hein. Ça, c'est un concentré énergisant, etc. Hein. Ici, c'est quoi? Ah, ça, je ne l'ai jamais utilisé, celui-là. Banana Bright, vitamine C. Donc, ici, ils nous disent pigment inspiré de la poudre banane. C'est pour quoi faire? Je ne sais plus. Ah, base de maquillage. Non, ça va partir. Hop, à donner. Là, c'est quoi? Badescue. Bah, qu'est-ce que c'est? Badescue. Bah, voyons. Ah, c'est un tonique ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, je le garde. Mais un tonique, pourquoi il est là? Non, non, il va là. Ah oui, bah, c'est, ça fait du bien de remettre un dans l'ordre. Hein. Ici, je sais pas ce que c'est. Un chip-sheet. Chip-sheet, pourquoi faire? Un spray. Un spray facial. Mais il fait quoi, ce spray? Je m'en fous, moi. Il sert à quoi, surtout? Je sais pas. C'est écrit en English. De toute façon, je vais pas le garder. Là, c'est tous les masques. Regardez. Il y en a plein de toutes marques. Voilà. Toutes marques confondues. Du Disney, du Make-up Révolution, du Sephora. Il y a vraiment de tout. Ça, c'est ma fille qui me l'a offert. C'est. Alors, attendez. C'est une aquabombe. Bon, là, je vais pas. Mais je le garde. Bref, je le garde. Il est fermé. C'est un masque stick bambou. Ça, c'est sympa. Je l'ai testé, j'aime bien. Là, pareil. Hop, lui, il est ouvert. Le même au charbon. Au charbon, sauf que je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas testé encore. Donc, Ah ouais, on teste tranquillement. Et en plus, c'est un exfoliant. Moi, j'aime bien les exfoliants. Ça, par exemple, vous voyez, c'est des patchs comme ça. Ça, c'est pour les yeux. Ça, c'est tout ce qui est soin, patch. Vous avez ces quoi, tous les trucs comme ça, là, les yeux, la bouche, ce que vous voulez. Hein. On a vraiment beaucoup. Il y a même des Noël. C'est trop sympa. Ça, je ne sais plus à quoi ça sert. Donc, je ne suis pas dans la mouise. C'était pas comme des pansements, ça? Non, il y en a un, je crois, que c'est pour style, on enlève un peu les bobos. L'autre, c'est pour les boutons, je crois. Ouais. Il y en a un, c'est style, on met... oh là là, il n'y a plus de boutons en 2 secondes, c'est une magie. Mais celui-là, je ne m'en rappelle plus. Celui-là, en fait, je m'en fifiche parce que, alhamdoulilah, j'en ai un tous les 75 ans. Bon, peut-être pas, mais alhamdoulilah, je ne suis pas un problème, entre guillemets, au niveau de ma peau aux boutons. Inch'Allah, ya Rabbi, que ça continue comme ça, hein, mashallah. Donc, celui-là, je vais l'enlever. Celui-là, je vais le garder. Je vais m'intéresser plus au sujet. Ah, ça, c'est du Friends. Friends, les masques. Ça, c'est une carte. Voilà, si vous avez besoin d'une carte. Qu'est-ce qu'elle fait là? D'accord. Bah, c'est pas grave. Je vais l'enlever. Allez, hop, parce qu'on trie. Hein. Là, The Feel Good. Dans The Good Fight. Alors, mini masque tissu anti-imperfection. Anti-imperfection. Je garde ou on ne garde pas, Giga, à votre avis? Là, je suis perdue, je vous le dis, moi. Mario Badescu, je vais le donner. C'est pour les lèvres.
Là, c'est stick nettoyant visage de chez Merciandi. Celui-là, par contre, je vais le garder. Et là, c'est des anti-imperfections masques en tissu. Je vais voir, je vais regarder celui-là. Je pense que je vais le donner, mais c'est peut-être pas sûr. Je le mets quand même là, celui-là, mais c'est pas sûr. Et ça, pareil, celui-là, je le mets là, mais c'est pas sûr. Je vais regarder déjà les prix, nana. Bref. Après, là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'était chez... je crois que c'était chez Action. Oui, c'était chez Action. Il y en a plusieurs, je les garde chez nous, les masques. On aime bien, de toute façon. Donc, hop, c'est cool. Là, pareil, il faudrait que je le fasse. Ça, c'est chez Sephora. Il y en a plein, de toute façon. Sephora et compagnie, voilà. Et maintenant, le dernier. Comment vous dire? Voilà, bonjour, c'est le Hala. C'est le Hala, sans être le Hala. Mais... Aïe, maïma, comment je vais faire tout ça? Donc là, je vais vous montrer très rapidement. Là, il faut que je vous montre très rapidement parce que je vous jure qu'on en a pour des heures. Et ça, je sais pas si je garde ou pas. Tu le veux, chérie? Ouais. Je viens de réaliser, Brat. C'est pour jeunes. Bon, alors, bien sûr, tu mettras pas ça, je rassure, hein, au collège et tout. Non, parce que maman, ça surveille, ça dit rien. Mais ça surveille, une maman, c'est filou, une maman. Mais à la maison, si tu veux jouer avec tes copines, etc., il n'y a pas de souci. Ma fille, tiens pour toi, mon cœur. Merci. Ça, je vais la passer à ma maman. C'est une bougie, ouais. Faut que je la mette de côté pour ma maman, j'en veux pas. Elle sent très bon, mais moi, j'en veux pas, j'en ai plein. D'ailleurs, faut que je vous montre là-bas, je vous ai dit tout à l'heure. Ah oui, là, c'est des... Là, je vous ai dit que c'était le placard à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai mis des gâteaux. C'est parce que ceux-là, c'est spécial pour mes enfants. On n'aime pas spécialement, etc. Donc, je les mets pour moi si au cas où, voilà, j'ai une petite envie comme ça. Je vous explique, envie, je ne les ai pas mangés depuis. Heureusement que la date, elle ne termine pas. Là, c'est un gros problème. Voilà, venez les amis. Venez découvrir le problème. Ça, je l'ai eu en un acheté, un gratuit. Donc, celui-là, je l'ai eu en gratos. Et c'est un... Comment ils appellent? Un style de repulpeur de lèvres. Voilà, c'est ça. Un qu'on met deux jours et un qu'on met deux nuits. Voilà, tout simplement. Là, c'est la nuit et là, c'est le jour. Et ça donne ça, vous voyez. Donc ça, ça part Vinted. On y va. Et là, par contre, il y en aura plein. Voilà, je vous en montre. Je ne vous montre pas tout. Hein. Là, c'est pour les yeux, comme ça, ou d'Abucci. Là, c'est des... comment on dit ça? Non, c'est pas des baumes, pas du tout. Si, c'est un baume à lèvres. Mais ceux-là, il y a des trucs que je vais garder. Et il y en a d'autres que je vais retirer, comme là, là. Le lip injection comme ça, je l'ai tété, bien sûr. Testé une fois, pas mon délire. Donc ça, si ça passe pas sur Vinted, ou alors je ferai un loop, peu importe. Je sais pas ce que je vais faire, j'enlève très space. Donc du coup, pour moi, après je sais pas, ça se peut que je le fasse, ça se peut que je le fasse pas. Allahu alim, il y a Dieu qui sait pour le moment. Mais en tout cas, ce que je me sers pas, je vais le donner, vous avez compris. En tout cas, je le garderai pas. Là, ça, c'est mignon, ça, j'aime bien. Il y en a plein que je vais me séparer du Kiko, j'ai du Too Faced, j'ai un peu de toutes les marques, là. Anastasia, c'est la fête à... La fête à tout, là. Estée Lauder, mais il y en a que je vais garder, attention, hein. Ça, j'aime bien. Huda Beauty, mais celui-là, d'ailleurs, je dis j'aime bien, mais je ne l'ai jamais mis. Donc, celui-là, il se peut qu'il parte, en vérité. Moi, je le mets là direct. Ça, c'est pour enfants. Là, c'était un doublon. Je vais voir si une de mes filles le veut. Tu veux, chérie? Bah voilà. Comme ça, ça y est. Ah oui, ça, c'est un lady de je ne sais plus quoi, Too Faced. Il y en a plein qui vont partir. Ah, il y en a plein. Je peux pas vous montrer un par un, mais il y a vraiment toutes les marques ou Huda Beauty. Il y a même du Disney comme ça. Donc, ce que je garde, bah, je vais le garder. Ce que je kiffe, du MAC, du Too Faced. Voilà, encore du Anastasia. Là, c'est du Kiko comme ça, je kiffe. Là, par contre, je kiffe parce que c'est du naturel comme ça, j'aime bien aussi. Là, c'est quoi? Ça, c'est un qui était sur... c'est fait n'importe quoi. Hydratation et pulping ou je sais pas quoi, de la marque Lumen, je ne l'ai jamais mis. Donc, on verra. Il y en a plein qui vont disparaître et il y en a d'autres que je vais garder. Ceux-là, c'est mignon, hein, mais je sais que je pense qu'il y en a un ou deux que je vais faire disparaître. En fait, là, normalement, j'ai fait le tri il n'y a pas si longtemps. Réellement, je vais être franche avec vous. Ça, ce qu'il y a là-dedans... C'est ce que je comptais garder. Mais en vérité, je suis en train de me rendre compte que mes plus gros favoris, entre guillemets, sont ici. C'est-à-dire, c'est ceux vraiment que je kiffe de dingue, ceux-là. Vous avez compris. Donc, mais après, bien sûr que là-dedans aussi, il y en a que je kiffe de dingue. Sauf que là, je suis en train de me rendre compte que j'en ai un peu trop et qu'en fait, que je ne mets pas plus que ça ou alors que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, voilà ce que je vais retrier.
Ça, je le ferai après. Ça, je vais le mettre sûrement sur Vinted Essence de Beauty, comme ça. De beauté élixir tout neuf. Regardez, c'est un élixir comme ça. C'est neuf, c'est au packaging, etc. Hop, il va partir, il va partir. Non. Ça, par contre, j'ai un souci. Je vais voir à qui je vais le... Parce que celui-là, j'aimerais bien... c'est un Dior Prestige. J'ai envie de le mettre sur Vinted, mais je ne sais pas s'il va passer. Je l'ai utilisé une fois. Je ne vais pas vous mentir, moi, je l'ai utilisé. Hein. Je n'ai pas aimé. Sur moi, je n'ai pas aimé. Donc, c'est la teinte 0N ou ON, ce que vous voulez, hein. 0N, c'est un 30 ml. Alors, soit ça, je vais peut-être le donner, quoique, à ma soeur ou quelque chose. Non, je crois que je vais faire ça. Je vais le passer à ma soeur, celui-là. Next. Ouais, ouais, je vais le passer à ma soeur. Allez, hop, next. Et après, c'est... Non, ben non, on n'a pas fini, les amis. Là, là, c'était tout ce qui était rouge à lèvres tout à l'heure. Là, c'est tout ce qui était rouge à lèvres. Et boum, je crois. Mais il y en a d'autres ici, apparemment. Sauf ça, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais je vais le garder, bien sûr. En fait, là, c'est des doubles, vous avez compris. C'est plein de choses que je n'ai pas encore testées, qu'à chaque fois, je renouvelle. Bref, je pense que vous comprenez. Donc là, c'est qui? C'est la marque Coco Cabana. Ça, je garde. Ça, non, je vais le donner. Hop, next, n'importe nawak. Ça, je garde, c'est Friends. Ça, je vais voir parce que c'est des doublons. Donc, il y en a peut-être que je vais faire partir. Ouais, il y en a que j'ai pris par doublon. Vous savez, comme ça, les eaux. Là, c'est Yves Rocher. Pareil, Yves Rocher, bah, à l'amande. Ça, c'est celui-là, c'est un parfum flower de je sais pas quoi qui va avec l'eau, justement. Là, c'est quoi? La coco. Il y en a que je vais garder, il y en a que je vais pas garder. Je vois toujours entre moi, mes enfants, ma famille. Et après, je me suis remis une tête quand je vois que là, il y a plein de crayons de lèvres comme ça. Bah, que je vais garder, il y en a et d'autres que non. Du MAC. Là, c'est quoi encore? Du Guerlain. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a du hop là, comme ça. Je garde aussi, par exemple. Là, c'est Huda Beauty, je me tâte. Il y en a plein, il y en a. Regardez-moi ça, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est des cadeaux de ma fille, je garde. Du MAC. Là, c'est du Make-up Révolution, comme ça. C'est des, vous savez, comme des. Oh, bah ça, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait là? Et bah alors, Kika, il va où? Bah, il va là. Il va là, non pas du tout, là, il faut que je retrie ça, là. Pas que je retrie, mais que je re-range mieux, quoi. Vous savez, que je mette plus les choses en ordre à l'intérieur. Là, c'est quoi? Ah, Fenty Beauty. Mais je vais voir ce que je vais en faire. Là, il me dit rien, comme ça. Et là, c'est des... Ça, c'est bien, les gloss, on s'en sert plus. Là, c'est des éponges que j'avais pris sur Make-up Révolution. Donc, tout ça, pareil, j'ai fait un... Ah, ça, j'ai kiffé. C'est un Gucci. Mais je l'ai kiffé. C'est pour ça que je vous dis, dedans, il y a des choses que je vais garder. Donc, ouais, la couleur, non, j'ai kiffé quand même. C'est bien pour Malouine. Non, mais moi, je n'en veux rien. Le Too Faced, comme ça. J'aime bien la couleur, comme ça et tout. Il est trop mignon. Bref, donc là-dedans, pareil. Donc, vous avez saisi les deux comme ça que je vous ai montré. Je vais refaire du tri. Mais bon, c'est sur les rouges à lèvres, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous montrer plus que ça parce que sinon, si je vous trie comme ça avec vous, ça sent que là, je ne sais pas vraiment ce que je vais garder exactement ou pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent encore dedans, hein, vu que j'aime bien changer, etc. Mais il y a des choses aussi que je sais que je ne vais pas utiliser, donc je vais virer. Ensuite, ça, il y a un papier dedans qui n'a rien à faire là. C'est devenu une vraie galère. Ça, je vais le donner. C'est quelque chose pour les cheveux. Tiens, mets-le là avant, on s'en fiche. Ça, c'est un cadeau d'une copine à moi. C'est sa fille qui me l'a offert. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Si tu passes par là, Karine. Et sincèrement, ça me tient à cœur. Vous n'avez même pas idée. Next, ça, c'est les cartes qu'on m'écrit. Je kiffe quand on m'écrit des cartes. Ah ouais. Une petite carte, un petit mot à l'intérieur. Ces cartes-là, moi, j'ai plein de cartes encore. On me demande parfois qu'est-ce que je peux t'écrire quelque chose. Eh ben, on voit ça après et moi, ça me touche. Ça me touche énormément d'avoir un petit mot, ne serait-ce qu'un petit bisou. Moi, j'aime bien, je trouve ça tellement mignon. Ah, ça relaxine. À mon avis, il va partir ce truc. Ouh là là, mon avis, il va partir. Voile de teint jeunesse. Ah, il va partir. Ah ouais, hop, celui-là, bye bye. Ensuite, ça, c'est ça, je le garde. Là, c'est quoi? Ah, je vous dis, là, les trucs comme ça, gel crème. Un gel crème, oh, je vais le garder. Après, ici, c'est... Alors, attendez, venez, vous allez comprendre. Ça, ça va avec les autres cartes qu'on m'a faites. En plus, là, c'était ma copine.
Là, pareil, c'est d'autres cartes. Bon, alors, attendez. Hop, on va cacher. Hop, hop, hop. Et en plus, il y en a d'autres en bas. Bref, alors ici, vous voyez, c'est des miniatures un peu. Alors, ça, pareil, ça va partir. C'est n'importe quoi. Ça, c'est des trucs pour les yeux. Ça, ça a jeté carrément. Ça, c'est toutes les miniatures. La plupart dedans, c'est des tout petits trucs comme ça. Voilà, tout simplement, que j'aime bien tester. Vous voyez, c'est des tout petits trucs comme ça que je kiffe tester. J'en suis dingue. Ah, ça, c'est une abonnée à moi. Quand j'avais pas encore ma... Ah si, j'avais ma quatrième, même Skena l'avait oublié. Nadia, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Tu vois, je garde. Hein. Je suis dingue. Hein. Quand vous me faites des cadeaux ou vous m'écrivez des lettres, moi, j'en suis dingue. Ça, je garde. C'est dans mon cœur de dingue. Regardez, tout ça, c'est vraiment des échantillons. Hein. C'est vraiment top pour partir en vacances, pour tester, etc., etc. Des crèmes, des choses pour... Là, là, c'est le compartiment miniature échantillon. En gros, c'est miniature. C'est peut-être pas échantillon, je suis mytho. Mais c'est des miniatures. Voilà, voilà, voilà. Il y a un peu de tout. Hein, Moroccan oil, ça, c'est super bien. J'en ai même deux, c'est pour les cheveux. Bref, next. Donc ça, je vais les garder parce que c'est des miniatures que j'aime tester ou emmener avec moi en vacances. Voilà. Donc ça, les amis, c'est bon. Et après, je vous montre très rapidement. En gros, là, tout ça, ça part. Tout ça, sauf ça. Ça... On se comprend, celui-là et ça. Mais là, par contre, gros problème. Tout ça, c'est que des mascaras. Il y a de toutes les marques à l'intérieur. Il y a du Shiseido, du Lancôme, du Fenty Beauty qui dit mieux. Il y a un truc comme ça, princesse. Il y a quoi encore? Il faut que je fasse le tri, il faut que je fasse le tri, que je mette, Inch'Allah, sur ce que je veux pas là-dedans, sur Vinted, Inch'Allah. Tonique sérum, ça c'est pour les cils. Oh, il y en a plein, il y a du L'Oréal. Il y a chez moi parce que c'est ça. Ah, ça c'est le Yves Saint Laurent. Next. Il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, pour ça, à trier au niveau mascara parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Là c'est quoi? J'ai peur d'ouvrir, je vous le dis moi. Ah, là c'est pour les vernis. Les vernis et tout ce qui est pour les mains. Les vernis et ça. Les gels, ouais. Exactement. Et là, j'ai gardé ça aussi, pommes d'hiver, comme ça, les crèmes pour la main. D'ailleurs, j'en ai un autre, je vais peut-être le passer à ma maman. Bref, parce que ma maman, elle aime beaucoup. Ouais, les vernis, comme ça, tout simplement. Next. Donc ça, je verrai aussi. Mais bon, normalement, ça, j'ai fait le tri il n'y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit, je les mets là-dedans. C'est grave pratique. Je les ai mis dedans. Franchement, c'est super pratique. Ça va aller dans mon dressing. Là, dedans, il y a quoi? Eh ben, on n'est pas dans la mouise. Il y a quoi dans celui d'Harry Potter? Je sais même plus. Hein. Je sais que je les ai fait... Bonjour, ça va? Miniature de parfum. Toutes de bombes de marque. Je kiffe Jean-Paul Gaultier, Hermès. Un peu de tout. Là, c'est quoi celui-là? Narciso Rodriguez. C'est vraiment des... Pff, les miniatures, vous savez, de... L'autre, là. Carolina Herrera, là. Il y en a plein, des miniatures. Il y a Si, Giorgio Armani. J'en ai plein, j'ai du Dior. Là, c'était comme je vous ai dit, Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Ah, Givenchy. Il y en a plein, 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 plein. Des Nina Ricci. Là, ça tombe. Si ça tombe et ça se casse, je vais pleurer. L'Occitane. Je ne connaissais pas. Eau de parfum, je l'avais oublié. Que ça sent bon. Donc là, c'est bon. En fait, là, dans ça, ce que je vous ai montré, les Vanity, c'est les mascaras que je dois faire. Parce que le reste, je les avais déjà fait. Bon, bah, c'est bon. Là, c'est fini. On a fait tous les trucs, nana. On va se lever. On va aller direction... Le dressing, je vais vous montrer ce que j'ai rangé. Je ne vais pas vous montrer tout le dressing, mais juste où j'ai rangé. Bah, d'ailleurs, tout a été fait, le tri des linges, tout, partout, 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 partout. Donc, les linges, ça, on s'en fiche, hein. Je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer d'autres petites choses où j'ai fait légèrement un peu les sacs, un petit peu les parfums et les bougies. Je vous montre ça tout de suite. Alors, les amis, là, on est dans mon dressing. Donc, j'ai un autre truc en haut. Là-haut, je ne montrerai pas. Ici, j'ai mis quoi? J'ai mis tous mes parfums. Regardez comment je les ai mis. Jean-Paul Gaultier. Là, il y a Dior, Christian Dior, Dior Amour. Ils sont magnifiquement bons. Je l'ai pris sur les Champs-Élysées avec mon mari. Là, il y a plein de parfums. Vous voyez, comme ça, comme ça. Bref, les Gucci, les Girls, les Hypnotic Poison. Il y a celui-là. Il y a quoi encore là? Il y a ceux-là, tout le monde connaît. Là, il y a Trésor. Il y a quoi encore? Lui, c'est Armani, je crois. Et lui, c'est... Non, Giorgio Armani. Et lui, c'est qui? Guerlain. Bref. Que des bêtes de parfum que je kiffe. C'est un truc de fou. Là-bas, c'est quoi? Jean-Paul Gaultier, j'en ai deux. J'ai lui qui est magnifique, le bleu. Et l'autre, là... Pff, oh, le Dior, on n'en parle même pas. Mais voilà. Mes parfums, j'ai gardé ceux-là parce que j'en ai passé d'autres.
Et là en bas, j'ai mis les bougies comme ça à Disney, que j'ai, ben, quand j'étais à Disneyland. Magnifique, comme ça fait trop mignon. Et juste là, parce que ça passait que ici, j'ai pris juste cette étagère pour mettre le sac Lacoste que mon mari m'a offert. Il est trop mignon. Ensuite, on est sur une autre étagère. Ce sac très joli qui m'a été offert. Ça, c'est celui que j'ai gagné en vacances. Il est trop trop bien. Quand j'ai été sur la Côte d'Azur. Ça, c'est mon sac que mon mari m'a offert, Michael Kors. Et là, c'est les autres bougies comme ça. Magnifique. Regardez-moi ça. Très très joli. Les bêtes de bougies de Disneyland Paris. Oh là 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 là. Et en plus, elles sont tellement bon, je vous dis pas. Là, sur cette étagère-là, je passe de l'autre côté du mur, hein, parce qu'en fait, j'ai deux murs. Hein. Là, c'est le côté, on va dire, de mon mari, mais je lui ai piqué ces étagères-là. J'ai mis les miniatures ici, Armani, j'ai pas voulu les mettre avec les trousses. Et j'ai mis ce parfum, celui-là, là. Vous savez, cette bougie-là, parce que j'en suis pas très fan, donc je l'ai mise ici pour l'instant. Ici, moi, j'ai ma salle en bas où je mets tous mes livres, etc., etc., mais j'ai envie de dire deux fois, il faut bien lire, etc. Donc là, je l'ai gardé pour ça. Là, c'est les serviettes. Tout simplement, on s'en fiche, voilà. Et maintenant, ma salle de bain. Voilà, donc en gros, ça donne ça. Là, j'ai rajouté ma balance dans ma salle de bain. Alors, en gros, ici, c'est mon lavabo, tout simplement. Et j'ai mis ça comme ça. Et moi, mes parfums. Vous avez saisi son de l'autre côté. Hein. Là, c'est ma petite plante que je kiffe. Et ça, c'est mes produits Foreo que j'ai achetés. Voilà ma salle de bain. Ma balance que je vous ai dit. En gros, cette balance est magique. Hein, elle donne tout ce qu'il faut. Le gras, les muscles, tout. Je l'aime trop, donc je l'ai mise ici. Et après, ici, là, j'ai un autre meuble là, comme ça. Un autre qui est là-bas, que j'ai vidé totalement, totalement, totalement. Il y avait des médicaments, mais vu que je les ai rangés de l'autre côté, donc voilà. Et ici, c'est la douche. Bon, là, faites pas attention, on a retiré le. Là, c'est la douche. Et d'ailleurs, j'ai oublié. Eh ben, Kika, elle a oublié de faire quoi? Elle a oublié de monter le shampoing et la brosse à dents de mon mari, parce qu'elle est en bas. Oui, exactement. Bref. Et cette baignoire balnéo va partir, Inch'Allah, je vous avais dit, je pense que je vous l'ai dit, elle a un souci. Donc celle-là va partir et il y en aura une rectangle à la place, Inch'Allah. Pareil, balnéo et tout, Inch'Allah. Donc voilà, et puis là, un petit tapis de bain. Voilà, en gros, c'est une salle de bain toute simple, hein, mais je l'aime beaucoup parce que c'est ma salle de bain. Les amis, maintenant c'est fini. Mouah! Gros bisous tout le monde, à la prochaine, Inch'Allah, ça a duré trop de temps. Gros, gros, gros bisous!